Bien le bonjour, j'espère que tout le monde va bien et que vous êtes surtout bien mieux réveillés que moi. Je vais pas vous le cacher les amis, j'ai fait un coma cette nuit, j'ai la tête dans le cul, c'est incroyable. J'espère que tout le monde est content du coup d'être au rendez-vous pour cette dernière journée du World Rumble. Les amis, ça passe beaucoup trop vite, ça m'énerve. Et ça m'énerve. Comment allez-vous jeunes gens? Salut Tony Chalo, salut Duc de Savoie, Duc de Savoie pardon. Et salut à tous du coup. J'ai vu qu'il y a eu un petit resub juste avant, Ad, il y a 5 minutes, merci beaucoup jeune Ad, pour ce resub, plus qu'apprécié en direction, regardez, hop là, la première, des studios de LDLCOL. Les amis, est-ce que vous êtes fin prêts? On va avoir un petit récap du bracket pour voir ce qui nous attend aujourd'hui, merci à Magic Freezer également pour le resub, apprécié fortement mon cher ami, merci, merci. Alors que Yubel, je t'ai pas vu du week-end par contre, hein, je tiens à te le dire. Regardez les amis, le bracket qui s'offre à nous, on va commencer cette... dernière journée donc avec Dragon Star Fire, une rencontre qu'on va donc commenter en live. Pendant qu'on va la commenter en live, cette rencontre-là, Project Belgium et Miguel vont aussi se la mettre en simultané. L'idée, c'est qu'en faisant ça, les deux finalistes auront un temps de repos, équitable. On ira donc après rechercher les records de cette rencontre et on les commentera tout simplement au fur et à mesure. N'est-ce pas? Étant donné que je suis bon prince et que le dimanche, c'est le jour du Seigneur, je vous autorise, les amis. Est-ce que, attendez, avant de me lancer, j'ai un modérateur Discord ou pas de présent dans la salle, là, s'il vous plaît. Et salut à tous, du coup, hein, j'espère que tout le monde va bien. Merci à toi, Elsa. J'ai un modérateur Discord. Ok, super, Joe. Donc, Joe, là, ce qu'il va falloir faire, parce que j'ai regardé, du coup, il n'y a aucun viewer qui a un pronostic gagnant actuellement. Donc, s'il te plaît, Joe, le channel pronostic, est-ce que tu peux me le reset? Laissez aux gens la possibilité de repronostiquer dedans. Et là, en gros, les amis... c'est 400 000 bananes pour toute personne qui pronostique la finale exacte avec le score exact. La finale uniquement. Donc l'idée, c'est de dire telle personne et telle personne vont en finale avec tel score à la fin. Tous ceux qui ont bon, ça sera 400 000 bananes. Voilà, voilà, Albin Capable, salutations distinguées, en espérant que tu vas bien. Easy nous dit Valou. Oh mon bon Valou, attention, je ne sais pas si ça va être si... ah, c'est pas mal. Je ne sais pas si ça va être si easy que ça, hein. Tu sais nous parler, nous dit Tanouille. Certes. Finale en BO7, exactement. Peut-être du coup la modération Discord le marquer dans le channel avant que les singes se mettent à pronostiquer à tout va. Finale en BO7, effectivement, les amis. J'ai bien dit, hein. Pseudo exact et score exact. Très 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 important. Du coup, est-ce que ça a commencé à draftouiller côté Dragon Star et côté Fire? Les amis, en plus... non, ça a pas commencé à draftouiller, très bien. En plus de ça, les amis, cette demi-finale entre Dragon Star et Fire, elle a une certaine saveur. Pourquoi? Parce que ces deux-là se sont affrontés en phase de groupe, rappelez-vous. Et c'était donc en Play All 3 et non pas en BO5. Et on a vu un Dragon Star qui avait gagné son Play All 3. 2-1, les amis. Rappelez-vous de cette petite donnée qui peut avoir du coup son importance, notamment pour les futurs paris. Ça va, ce tournoi me met très bien, même si on a perdu nos deux Français, nous dit Alba Capable. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est vrai que... c'est vrai que la chute de nos deux Français fait mal. Effectivement, on aurait aimé un finaliste français. Clairement, clairement. On a pris 705€ hier, Zopcurl, pour le bon Classic Pro. D'ailleurs, Classic Pro, les amis, qui vous remercie. On a pu parler un peu avec lui. Il vous remercie énormément, ça lui fait chaud au cœur. Et il nous a donné du coup un peu d'informations par rapport à son cas personnel et à sa famille, du coup. Pour vous donner donc un ordre d'idée, lui, il vit dans une ville qui s'appelle Sumy. S-U-M-Y, je crois. C'est une ville qui est à la frontière, du coup, de la Russie. Et apparemment, donc, l'armée russe aurait contourné sa ville. Donc, pour le moment, eux sont pas spécialement touchés. Mais par contre, ils auraient détruit une base militaire avancée, je crois, un truc comme ça. Et du coup, il n'y a plus de travail. Il y a 90% des habitants de la ville qui travaillent plus. Donc, plus d'argent non plus. Donc, je pense quand même que ces 700 balles, mine de rien, vont lui faire du bien. J'ai on ligne sur Cito. T'as on ligne? Ça roule. Ça roule, mec. On a pas eu une petite interview de Cito pour son entendre. Ah, tu sais, Monaco, quand tu perds un BO comme ça, en quart de finale, etc., t'as peut-être pas forcément envie de faire une interview juste derrière. Hein. Donc on lui a pas sauté dessus pour cette raison. En tout cas, je lui ai pas sauté dessus pour cette raison. En plus, il est apparemment donc grippé, donc laissons-le tranquille. Hein. Si jamais tu veux avoir peut-être son ressenti, bah on va le choper sur son stream à l'occasion et tu verras ce qu'il a à dire. Je pense que l'idée, c'est quand même de le laisser. C'est difficile d'aller interviewer quelqu'un dans la défaite. Hein. Pas de soucis, Magic Freezer. Pas de soucis, pas de soucis.
Salut à tous ceux qui débarquent, du coup, au fur et à mesure. Désolé, je ne peux pas tous vous voir, mais je vois qu'il y a des nouveaux chaque seconde. Il y a des bonjours qui pop ici et là. Bonjour à tous, les amis. Yo, mon petit Salty String, comment ça va? Salty String, les amis, j'ai mangé avec lui à mon arrivée à Lyon, donc jeudi. Très bon moment, extrêmement agréable. Et on était en train de parler de je sais plus quoi. On parlait des spots sympas. Et d'un coup, parce que des fois, il vient à Paris, là. En ce moment, il est en alternance à Paris. Oui, je peux balancer le dossier, Salty. Et Salty me dit, ouais, moi à Paris, il y a un parc, un grand parc et tout, que j'aime bien, où j'avais bien aimé passer du temps et tout, nanana. Et là, il me dit, alors, dit comme ça, c'est bizarre, mais je crois que c'était au Bois de Boulogne. Donc de là, je lui dis, ah, ok, sympa. Et il enchaîne en me disant, d'ailleurs, je sais pas comment j'ai fait pour pas choper le Covid là-bas. Phénoménal! Je lui dis, bah attends, tu veux m'emmener où là? Il me dit, non, mais en fait, j'avais un concert de Kavinsky au Bois de Boulogne. Je fais, ah, ok, bon, très bien, ça a enlevé tous les doutes. Phénoménal quand même, les amis. Phénoménal. Merci pour le bête surprise des 400 000 bananes, nous dit Royal Panzer. Pas de soucis, frérot, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Par contre, les amis, ceux qui font des pronostics sur Discord, les règles sont les mêmes. Si jamais il y a un pronostic avec la petite mention modifiée, comme quoi la personne aurait édité le message, c'est niet, c'est supprimé instant, c'est pas pris en compte, les gars. Donc faites très attention. Faites très attention. Et mettez aussi votre pseudo Twitch, que je sache qui créditer derrière. Salut Louis, comment ça va? Tu veux juste le score de la finale, pas les demi? Ouais, juste la finale, Alsacia. Parce que le problème, c'est que si on fait les demi, on va pas avoir assez de temps. Là, vous avez le temps, du coup. Là... Oui, non, mais Pinto, c'est le matin, frérot. Attends, laisse-moi le temps. La régie qui fait une blague, il dit spoiler. Il y a effectivement un des deux joueurs, des deux finalistes, qui aura 4 points. Ouais, ça va, Pluie. J'ai fait un coma, frérot. Je suis rentré à quelle heure hier? Je suis rentré vers 1h du mat, je pense. Je me suis couché vers 4h. Et j'ai dormi de 4h à 14h. Non-stop. Sans interruption. Un véritable coma. On gagne combien de bananes si on a le bon pronostic, nous dit Stimux? 400 000. Je me permets de vous créditer, du coup, 400 000 bananes, les amis. Ça me fait plaisir. C'est dimanche, finale de World Rumble, bon. Pourquoi pas? Surtout qu'en plus de ça, ça reste du coup accessible. Autant le premier prono, je peux comprendre qu'il était... D'ailleurs, c'est peut-être un peu trop, 400 000. 400 000 bananes, c'est peut-être un peu trop quand même, je pense, non? On devrait pas revoir ça à la baisse, d'après vous? C'est vraiment trop, nous dit Valou. Je pense que c'est trop, ouais. Ouais. Restons sobres. 500K. Restons sobres, les amis. Je propose un petit 150K. Qu'est-ce que vous en pensez? 150K, c'est honnête en vrai. 400K, je sais pas, je me suis enflammé là, je crois. 150K, les gars, c'est honnête ou pas? Voleur. Allez, on part sur 150K, c'est acté, les amis. Merci à celui qui m'a fait prendre conscience de ma singerie, quoi. 150 000 bananes, du coup, je me reprends, c'est pas 400 000. Effectivement, complètement fou. La draft a commencé, les amis. Laissez-moi mettre mes binocles et regarder, du coup, un petit peu ce que ça raconte. Dragonstar qui ban Pilgrims, Fire qui ban Mutflow. Derrière, Dragonstar prend Sandforest, Fire qui prend Arabi. Ça me plaît, tout ça. Une map très ouverte pour le moment. On devrait avoir du African River, peut-être, côté Fire. Frozen River, en tout cas, aurait été pris côté Dragonstar. Affiche une fiche côté Fire, makes sense, il avait bien joué dessus aussi, c'est vrai. Il la prend d'ailleurs à chaque fois. Monocle a été banni par Fire. Laissez Valou tranquille. Non, mais en vrai, c'est vrai que 400K c'est trop. 400K c'est trop, les gars. On va partir sur 150K. Il faut que les bananes restent dures à obtenir. Il faut les obtenir à la sueur de votre frein. Et Killimutu Lakes sera... Oh, première game sur Killimutu Lakes, voyez-vous ça? Intéressant. Intéressant. En tout cas, j'ai pu papoter hier avec Membe, les gars. Apparemment, le tournoi fait un carton hein, sur sa chaîne. Ça fait plaisir. Les viewers de Membe kiffent le tournoi. Les maps sont cool, apparemment, pour les viewers. Donc, c'est cool. Passe un bon moment sur le stream de Membe. C'est très très cool. Permettez-moi donc de me délecter de ce magnifique breuvage pendant que les cifs vont apparaître. Ils étaient deux cachés même. Ouais, il m'a partagé ses stats effectivement hier. Et
Effectivement, il a fait des belles vues, hein. C'est beau. En vrai, c'est beau, mais quand on voit que nous, on était 1200 en full français, c'est pas mal non plus, hein. 1200, presque 1300 même. Perrier, hein. Vous passez par là. Propal tient toujours. C'est une OP Perrier. Non, c'est un petit clin d'œil à Perrier. Encore et toujours, hein. Je sais pas s'il y a le directeur marketing de Perrier qui passe dans les parages, là. Frérot, réveille-toi. Le nectar des dieux. Exactement. Bon, attention, la vraie distillation va commencer, chers amis. Ça fait des bons scores pour négocier avec Microsoft, nous dit Tiffany. Ouais, totalement. Totalement, totalement. 705, pot de peinture blanc. 705 euros et il est extrêmement content. Je l'ai transmis du coup ce qu'il nous a... Il a transmis des messages du coup de remerciement. Je les ai transmis au début du stream. Va te voir la BOD si ça t'intéresse. Tu leur fais déjà tellement de pubs aux jeunes, pourquoi te payer? C'est vrai, hein. C'est vrai qu'en vrai je suis une petite... Bon, je vais pas être vulgaire, mais... je suis vraiment la reine des putes en fait, hein. Pour Perrier en tout cas, hein. Incroyable la promo que je leur fais sans le moindre centime. C'est complètement fou. Mais je l'ai dit, hein. Si demain, il y a Badois qui pop avec un chèque, j'ai jamais entendu Perrier de ma vie, hein. Je vous le dis, hein. Alors ça, c'est évident. Salut Poro. Salut, c'était caché. Salut à tous les amis. Salut à tous ceux qui débarquent. Et merci à ceux qui follow. Quelles alertes incroyables quand même, hein. C'est fou ça, hein. C'est fou, hein. Nanana. Qu'est-ce qu'il me raconte le petit Membe TV? Excusez-moi les amis, j'étais occupé. Oh, Giuseppe, pardon. Pour les 5 subs, après c'est de ouf. Ça commence fort, et en plus il vient de follow. C'est fou ça. Le mec il lâche 5 subs, et derrière il follow la chaîne. C'est complètement dingue. Et Skies également pour le gifted sub. Après c'est les gars, merci. Regardez cette draft qui commence du coup. Dragon Star qui se banne sa propre cive. Ouais, j'avoue, le mec est indien, il banne les indiens. Incroyable. Indien Maya du coup qui est banni. Lituanien Steak qui est banni. Et derrière on first pick chinois et japonais. Shifire et. Chez Dragon Star, you know. Alors que du bel, hein. Gift pour 10 subs à son tour. Merci bien, cher UL. Les gars, je vais me permettre une petite fantaisie, mais je vais enlever mes pompes. Hop, on se met bien. Nice tournament, really liking it. Oh. Thank you, Giuseppe. Thank you, man. Appreciate it. Ah ouais, comment ça? Ah ouais, comme ça? Ouais, ouais, bien sûr, on enlève les pompes là. Je me mets bien. Derrière donc Mongol et Perse côté Fire. Des cives qui va systématiquement prendre d'ailleurs. Hein. Toujours les mêmes, hein, côté Fire pour le moment. Tu peux voir tes pieds. C'est très bizarre par contre. Je viens de te le dire, t'es cringe. Cringe de ouf. Derrière Chaos, tout le plaisir est pour moi, mec. Vous savez ce que je me dis quand je me vois dans le retour comme ça? Je me dis que vous avez beaucoup de chance. Bourguignon côté Dragon Star du coup. Et Berber côté Fire. Aïe 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 aïe. Merci bien Magic Freezer. Apprécié. Italien côté Dragon Star. On prend les Maliens côté Fire, on finit sur du Éthiopien côté Dragon Star. Je
crois qu'il avait pris vietnamien aussi, Fire, dans sa draft, si je ne m'abuse. Ouais, là, on prendra viking, ok. Les maps sont intéressantes, hein. On le rappelle, c'est Sand Forest, Tarabi, Frozen River, Kilmutu Lake aussi. Est-ce qu'il y a du tatar? Non, il n'y a pas de tatar pour le moment, c'est intéressant. Ok. Nous, on voit que tu as tiré sur ton poil blanc. Même pas, Rémi, je te jure que non. Il doit être dissimulé, bah tu sais, j'ai peigné ma barbe ce matin. Enfin, ce midi, enfin tout à l'heure quoi. Et du coup, je pense qu'il doit être dissimulé, mais je l'ai absolument pas retiré. Je te jure que non. Salut aux itins. Salut, salut mec. Archaos. Bon, quel monte les snipes, je vous le demande. Merci bien, Just Remy. N'oubliez pas de parier votre banane, les amis, hein, je le répète. Hein. Non seulement donc, vous pouvez donc parier aux bananes dès maintenant sur la rencontre qui va arriver, mais pronostic sur Discord. Ceux qui sont sur Discord et ceux qui ne le sont pas déjà, rejoignez Discord. Mais du coup, dans les channels, dans le channel en tout cas, Prono World Rumble, avec un emoji de banane, eh bien, vous pouvez donc parier sur la finale, hein, pronostiquer sur la finale, les amis. Hein. On le rappelle, il y a 150 000 bananes pour chaque pronostic gagnant avec le score exact. Je me fais bien comprendre, j'espère. Exactement, Monaco. Donc, faut faire attention quand tu transfères les bananes. Vous pouvez retrouver effectivement tout. Je kiffe faire ça, c'est incroyable. Tous les résultats du tournoi sur RumbleSeries.net, les amis. Et du coup, oui, il faut faire attention effectivement quand tu transfères tes bananes, Monaco, sur le portefeuille Wizbot. Il faut savoir jauger entre portefeuille Wizbot et garder un capital pour parier donc, et faire fructifier. C'est important. Thank you, Monoz. Thank you, man. Appreciate it. Bah écoutez les amis, du coup on a la draft des sieves et des maps, ce qui veut dire que on devrait avoir un game ID dans très peu de temps. Laissez-moi regarder ça. Le channel, donc Dragon Star Fire. Ils sont en train de se mettre d'accord, ça se lâche des cœurs dans le channel, incroyable. Tout ça est plutôt friendly, ça fait plaisir. C'est vrai que pour le coup ils sont très éloignés, hein. T'en as un qui est au Brésil, l'autre qui est en Inde. Je sais pas comment ils vont se mettre d'accord. Les amis, j'ai un bug sur mon PC portable, à chaque fois que je le démarre, eh bien le clavier il est en QWERTY, ce qui fait que j'ai oublié de le changer en AZERTY, alors qu'avant ça faisait pas ça. C'est trop bizarre. Ah, merci, Pinto qui se dévoue pour me réparer ça à l'occasion. Hop. Clément, je vais t'enculer par contre, sache-le. J'espère que t'as bien entendu ça, je te l'ai pas dit avec de l'accent, t'as vu? C'est quoi le petit truc devant moi, c'est un stream deck? Ça te regarde pas. Pff, tout simplement. Aussi simple que ça. Ça te regarde absolument pas. Parce qu'il y a le site internet du tournoi, très pro tout ça. Merci Archer Briton. Ah non, Archie Briton. Let's go ça. Merci Archie Briton. Pour cette remarque, effectivement, RumbleSeries.net, les amis, est un site extraordinaire, il faut le dire. Il faut le dire. Et je vous le redis aussi, Classic Pro vous remercie, hein, pour ceux qui n'ont pas entendu. Il vous remercie énormément pour tous vos dons, ce qui va, à mon avis, grandement l'aider. Il a dit merci pour tous, à tous, pardon, sauf à Yakem. Il veut pas de l'argent sale de Yakem. À ça, je lui ai répondu, mais qui est Yakem? Et à ça, il m'a répondu, je sais pas. Donc je lui ai répondu, bon bah, bon, ok. Simplement. Les amis, vous le savez, hein, quand j'ai la tête dans le cul, je suis encore plus redoutable que d'habitude. Hein. Donc faites très attention à vous, ça peut partir très vite. Ça peut partir très très vite. Petite coquille dans le titre du stream, pas de E à demi-finale. Ah, qui c'est qui a set up le titre? Pinto le sait, mais il balance pas, il a dit. Incroyable. C'est Hubel, je balance aux F. Waouh. Je dénonce pas Hubel, nous dit Boulevard. Waouh, Hubel, frérot, on fait des fautes d'élèves de CP? C'est absolument incroyable. Alors, mon petit Hubel.
Maria Kem, lâche ma veste, oh boh. Aïe, aïe, aïe. Bon, les amis, il y a une... Bah, c'est bon, on y est. Ça se lance, Kilimutulex, les amis. En tout cas, il y a beaucoup de modos, hein. Poule verte. Poule verte, Joe, poule verte. Ouais, il y a beaucoup de... Ouais, pas mal de modos. 2 minutes 15 de délai italien perse, les amis, sur Kilimutulex. On s'y dirige, hein. Dernière journée du World Rumble, les amis, c'est avec un petit passement au cœur que je commente ces derniers matchs en votre compagnie, hein. C'est terrible. C'est terrible, c'est déjà la fin. C'est déjà la fin. Salut, Tabnet. Il va y avoir des séjours au ski en grand nombre, nous dit Archer Briton. Ouais, de ouf. De ouf, de ouf. Salut à toi, jeune Hawk. Ah ouais, bien vu. On peut pas ramener les bananes du shop vers Twitch, ADO. Quand tu transfères tes bananes de Twitch vers le shop, c'est irréversible. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand tu transfères tes bananes, quand t'achètes tes petites sacoches là pour transférer. Faut faire très attention parce que si tu flingues tout ton capital pour parier et qu'après tu te retrouves à zéro, t'es obligé de faire comme Pitonio hier, repartir de 200. Pitonio est broke, les amis, hein. Il a fait un all-in sur Fire hier avec 800 bananes sur une cote absolument incroyable. Il a gagné 1000 bananes. Phénoménal. Phénoménal. Apparemment, Valas a broqué beaucoup de gens. De ce que j'ai cru comprendre, Valas, il a créé des SDF, les gars. Tu me termines, MDR. Ah bon ? Bah écoute, tant mieux, Déo. Rigole, rigole. Un petit résumé de la journée d'hier, nous dit K-Cage. Bah, avant que ça se lance, peut-être un dernier retour sur le bracket. On a 40 secondes, on a le temps. Tu vois la journée d'hier, donc quart de finale. Project Belgium Bars. 3-1, mais ça reste un BO extrêmement serré. Et comme tu peux le voir après, ça fait du 3-2, 3-2, 3-2. C'était des BO extrêmement disputés. Nos Frenchies, hein, qui ont failli faire l'exploit aussi, hein. On a eu un Sito qui rentre 2-0. Et après, il se fait remonter 2-2 pour finir sur un 3-2, malheureusement, côté Fire. Et Margou, pareil, qui se fait dominer 2-0, qui remonte à 2-2. Et qui, malheureusement, n'arrivera pas à rentrer cette dernière game. On perd donc nos deux Français en quart de finale. On peut, à leur place, peut-être être content d'être arrivé jusque-là, mais je pense que... petite amertume quand même, hein. Normalement, en tout cas au moins pour Sito, on espérait, je pense, au moins aller en finale. Margou, je pense qu'il peut se contenter déjà cette place, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Très serré l'écart, ouais, c'était très disputé, hein. En vrai, des très belles quarts de finale hier, hein. Des très beaux quarts de finale, pardon. Et Capturage qui est fermé, tiens donc. J'ai tapé Classic Pro de Capturage, je suis vraiment une merde. Hop. Ouais, non, Barls, effectivement, c'est une très belle perf, hein, ce qu'a fait Belgium. Et Belgium, il est au rendez-vous, hein, on le rappelle. C'est parti, les amis, on est parti. On le rappelle, Belgium, les amis, c'est quand même... C'est quand même... Ouais, effectivement, c'est je viens de me rendre compte. Attendez une petite seconde, les amis. Je coupe le stream. Hop, toutes mes excuses. Mais du coup, oui, comme je vous le disais, Belgium, c'est quand même finaliste de l'European Rumble, hein. Alors, est-ce que on va le retrouver, du coup, sur la finale du World Rumble? Eh bien écoutez, on l'espère. Puisque du coup, maintenant, c'est le seul copain, entre guillemets, qui nous reste dans le tournoi. Justement, vu qu'on a perdu Margou et Sito. On va donc supporter avec ferveur le bon Project Belgium, pardon. Qui est justement en train de jouer sa demi-finale, lui aussi. Actuellement, les deux demi-finales sont en train d'être jouées. On en caste une en live. Et on castera donc la deuxième en différé sur des records. Rassurez-vous, vous pouvez parier aussi sur la deuxième. Tout est en cachet. Personne n'aura accès donc au résultat. Mais salut du coup à tous ceux qui arrivent. Hein. Il aura la possession. Oh, t'inquiète pas, il a pas besoin de possession. Hein. Belgium, c'est un vrai client. On parlait hier avec je sais plus qui. Hors stream, je crois que c'était avec Pitonio. En disant que Belgium, il avait quand même une belle mentalité de gagnant, quoi, de winner. C'est un mec qui est humble. Très 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 friendly. Et qui, bah, je pense quand même travaille. Hein. Il arrive rarement en touriste. Donc pour cette raison... Il y aura plus que la possession, crois-moi. On est donc sur Kilimutulex, les amis, pour cette demi-finale. Je vais d'ailleurs changer peut-être le truc dans l'overlay aussi, bougez pas. Je suis arrivé un petit peu en retard, les amis, c'est pour ça que je suis un petit peu largué sur certains trucs. Hop. Et hop. Kilimutulex qu'on a peu vu finalement sur ce main event. On l'a vu en phase de groupe plusieurs fois.
Mais en main event, peu de fois. Peut-être que c'est la deuxième fois qu'on la voit. Hein. C'est pas impossible. Tu peux expliquer la map, nous dit Ad. Écoute, je peux le faire, effectivement, ça me fait plaisir. Killmutulex, du coup, c'est une map où les joueurs vont spawner à l'opposé. On peut le voir totalement à gauche et totalement à droite. À droite, on va avoir Dragon Star, à gauche, on va avoir Fire. Très peu d'or, comme tu peux le constater au niveau du spawn initial. On va avoir 5 blocs. Et pour cette raison, donc, il va falloir à terme, en tout cas, sortir de ce petit cratère pour s'étendre, notamment sur les volcans, que ce soit au milieu, au nord ou au sud. Parce qu'en fait, au milieu, tu le vois, dans les volcans, il y a des poissons. Donc déjà, c'est intéressant d'aller chercher ces poissons avec des bateaux de pêche, parce que ça procure un beau boost économique. Mais surtout, quand tu prends un bloc de poisson et que tu le termines, automatiquement, derrière, il y a un bloc de 100 d'or qui apparaît. Donc c'est extrêmement important de s'étendre et commencer à libérer des spots d'or ici, pour justement anticiper le late game et appréhender du coup de la meilleure des manières la disparition de ce spot là. Non, j'en ai pas eu Zob. J'ai pas osé aller vers lui, même hors stream, j'ai pas osé aller le voir sur Discord. Moi je pense que quand t'es dans la défaite en fait, il faut laisser les gens tranquilles, tu vois. C'est important. Les poissons qui se transforment en or, exactement. Vous avez aussi un peu de pierre, notamment sur les volcans du bas et du haut. Donc intéressant aussi de prendre le contrôle de ces lacs-là pour tout simplement prendre de la pierre, parce que c'est important après de confirmer le contrôle map avec des châteaux. Donc ouais, c'est une map qui est très dure à jouer, en vrai, peut-être l'une des plus dures. Hein. Peut-être l'une des plus dures. En tout cas, on le voit, deux stratégies très différentes, puisque Dragon Star ici proposera donc un dock avec bateau de pêche, mais aussi villageois, alors que Fire ici proposera un drush. J'aime beaucoup ce que propose Dragon Star ici, pourquoi ? Parce que ce qu'on voyait en général, c'était donc des gens qui dockaient, mais sans laisser autant de péons. Et du coup, ce qu'on voyait aussi, c'était des gens qui drushaient, et qui derrière pouvaient aller sniper les bateaux de pêche ultra facilement. Et là, justement, le fait d'avoir autant de péons sur les poissons, pour Dragon Star, ça lui permet en fait de défendre ses bateaux de pêche et de fighter contre les miliciens. Je trouve ça très 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 intéressant comme démarche. Je crois que sur tout le World Rumble, c'est la deuxième fois qu'on voit quelqu'un faire ça. Donc c'est plutôt intelligent, ouais. Et on le voit du coup, les bateaux de pêche qui déjà procurent une avance économique intéressante hein, pour Dragon Star. 23 villageois maintenant contre 21. D'où l'intérêt hein, de docker. Et on le voit du coup, un Fire qui aura ramené un petit villageois. Même deux villageois et un autre milicien. Waouh, ok, très intéressant. On a de l'action les amis là. On a de l'action. Et du coup, la fight qui est engagée, va falloir micro correctement. Toujours délicat en plus hein, de devoir micro des villageois et des miliciens extrêmement bourbiers. Les villageois auront tendance du coup à s'arrêter quand ils auront trouvé un kill. Il va falloir donc les reprendre manuellement. Premier kill économique qui est trouvé par Fire. Deuxième kill économique qui est trouvé par Fire. Deux villageois, on peut le voir, qui sont trois villageois qui sont en train de succomber dans cette mare. Oh là là, et le bateau de pêche qui tombe. Incroyable séquence pour le joueur brésilien, les amis. Autant vous dire qu'il a mangé du lion là. 19 maintenant villageois contre 24. Violent. Archi, archi violent. Alors que dans le chat, certains sont déjà en train de call le GG. C'est peut-être un peu tôt, mais en tout cas, effectivement, la séquence est violente. On clique Féodal hein, pour Dragon Star, donc il y a peut-être quelque chose à tenter sur le Féodal. Mais la décision de Fire ici, elle est très 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 intéressante. Hein. Et c'est pas terminé. Sur les baies, on le voit beaucoup d'action. Et on va commencer à inquiéter cette caserne. Alors est-ce qu'on peut éventuellement se relancer sur ce début d'âge Féodal pour Dragon Star? Complicado parce qu'on le voit, il n'y a pas d'or qui est pris. Ce qui veut dire qu'il est obligé de proposer une écurie pour éventuellement proposer des scouts. C'est compliqué. Je pense qu'ici on aurait préféré peut-être partir sur Archer. Hein. Et c'est intéressant de voir que c'est un moulin qui est proposé du coup côté Fire. On a rarement vu ça, peut-être même jamais vu ça. Hein. Un moulin au lieu d'un port. Extrêmement curieux. Alors qu'un autre kill économique va être trouvé hein. Pour Fire, c'est son cinquième. Hein. C'est son cinquième et le sixième ici, il va pas tarder à mon avis si vous voulez tout savoir. What the fuck le moulin? Ouais c'est étonnant. C'est étonnant parce que en fait il coûte moins cher que le port hein, le moulin, donc c'est intéressant peut-être de ce point de vue là. Mais je pense quand même que je préfère ici proposer un port en ce qui me concerne. Parce que du coup il aura la même utilité que le moulin et derrière il permet de proposer éventuellement bateau de pêche ou même fire une fois qu'on est féodal. On va réussir du coup à libérer un peu de pression hein, pour Dragon Star. Un petit Fire qui lui aura permis de sauvegarder ce bateau de pêche. Derrière on trouve le scout de Fire. Séquence intéressante pour Dragon Star ici.
Pour autant, toujours une belle pression dans la base de Dragon Star. On le voit, son or n'est pas récupérable pour le moment. On va commencer aussi à mettre de la pression, on le voit, sur le port de Fire. Pour le moment, n'est pas défendable. Il est en bloqué à la chambre. On a le droit de trouver un wall côté Fire. Un wall très serré, hein. Souvent on wall de manière un peu plus large sur cette map-là, en partant de ses forêts, et en wallant souvent avec les baies. Et pour le moment, aucune réponse apportée à ces miliciens, hein, qui continuent de faire un petit peu la loi dans la base de Dragon Star. Terme, il faudra quand même trouver une solution, Dragon Star, parce qu'on a besoin d'or, là. Hein. On a besoin d'or. En tout cas, on le voit, le joueur indien, ici, aura proposé un deuxième bateau de pêche. Là où Fire lui aura proposé un deuxième dock. Avantage du coup à Fire normalement à terme. Surtout que lui prend de l'or, donc il va pouvoir proposer donc des Fire ouais, sur deux docks. Avantage conséquent. Club du bois qui est cliqué chez le joueur brésilien. Alors qu'on est déjà 542 pour accueillir ce premier BO, cette première game de ce premier BO. Première demi-finale les amis entre Dragon Star et Fire. Bienvenue à tous, j'espère que tout le monde va bien. Et merci encore pour votre présence. On va commencer aussi à docker au nord, visiblement pour Dragon Star, mais aussi au sud. Et c'est très intéressant, ça fait écho avec ce que je vous dis à chaque fois qu'on est sur cette map. Hein. C'est que des fois, les joueurs sont tellement focus viseur, restant concentrés sur ce qui se passe au milieu, qu'on en oublie le scouting au nord et au sud. Là, pour le coup, Dragon Star, lui, il pense à voir maintenant si Fire va pouvoir à terme aller chercher cette information. On le rappelle, il est privé de son scout, pour cette raison donc, de mobilité. Peut-être que, justement, se lancer pour aller voir ce qui se passe au nord ou au sud. En attendant, ça fait les affaires de Dragon Star. On arrive à gérer peut-être aussi ses miliciens pour Dragon Star, il était temps. Ouais, ça fait plaisir. Trois scouts maintenant pour le joueur indien, alors qu'une transition archerie, double archerie même pour Dragon Star et Forge va être proposée. Une kill Moutoulek, ses amis, qui va pas mal se jouer sur le feudal, j'ai l'impression, c'est intéressant. Alors après, quand même, Fire est full wall ici, donc ça va être compliqué de trouver des kills économiques sur le land. Salut à Marco. Et les bateaux de pêche de Dragon Star qui nous font encore succombe. Hein. On regarde table. C'est effectivement peut-être un peu précoce hein, de rajouter des bateaux de pêche au centre. Mais en tout cas, ils vont être ajoutés au nord et au sud, c'est maintenant certain. On va peut-être pouvoir se refaire économiquement grâce à ça. On prend l'information avec ses scouts. Il y a peut-être des kills économiques. Après, il y a un lancier, mais ce lancier peut peut-être se sniper avec un bout de colline. Moi, je mets une petite sable, là, j'ai l'impression, sur les scouts. Alors que Fire va peut-être justement aller voir ce qui se passe. Hein. On voit au sud de la map, c'est intéressant. Fire qui a l'air plutôt bien réveillé. Fire hier, j'ai regardé un petit peu le stream de Fire en me couchant. Et Fire qui se faisait appeler Tower Master hein, sur son chat. Les viewers qui effectivement ont bien pris conscience de toutes les tours qu'il avait proposées hier. C'est vrai qu'il faisait beaucoup de tours hein, dans son BO hier, contre Sito. Hein, sur plusieurs maps différentes, il claquait des tours un peu partout. On a les premiers archers qui sortent côté Dragon Star, on en a un actuellement sans plus un d'attaque malheureusement. Il va falloir se montrer un petit peu patient, on pourrait le cliquer hein, cela dit. On pourrait le cliquer. Et c'est lancé qui vont repartir de là où ils venaient. Essayer de prendre un peu d'informations. Derrière on a un Fire qui commence à ficher au centre, on le voit. 40 villageois contre 39, sur le plan économique on est quand même pas mal revenu hein. Côté Dragon Star on a su s'adapter. C'est plutôt intéressant de ce point de vue là. Oh et peut-être un kill ici pour Dragon Star. Oui monsieur. Très 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 bien joué. Très bien joué. Un deuxième peut-être. Avec ses scouts. Oui, c'est très bien joué. On en garde un d'ailleurs. Hein. Pour éventuellement continuer de scouter. Belle séquence ici. Hein. On revient plutôt bien hein, sur ce féodal côté Dragon Star. Hein. Et je le redis parce que je l'avais dit au début du stream quand on était que quelques-uns. Mais rappelez-vous, Dragon Star Fire ont évolué dans le même groupe en phase de groupe. Et lors de leur Play All 3, c'est Dragon Star hein, qui avait mené 2-1. Alors attention, BO5 et Play All 3, ça n'a rien à voir, évidemment. Mais tout de même, ça donne peut-être une indication. On va être amené à perdre le mid hein, pour Dragon Star. On pourra peut-être y revenir plus tard. On a des bateaux de pêche. Waouh, regardez-moi ça. Terrible, terrible séquence. Alors après, c'est pas non plus dramatique, mais ça a forcé du coup Dragon Star à injecter 200 de bois dans ses pièges à poissons. Parce que malheureusement, le point de ralliement ou le spawn de ses bateaux de pêche, en tout cas, était du mauvais côté. Ouais, c'est compliqué alors. Ça reste rentable tant que ces bateaux de pêche travaillent sur ces pièges à poissons, mais le problème c'est que si Fire s'en rend compte et qu'il vient sniper ça, c'est extrêmement relou. Hein. Le problème c'est qu'en plus de ça, souvent on aimerait pouvoir libérer les carrés d'or. Ouais, situation un petit peu délicate pour Dragon Star. Est-ce qu'on va voir un Fire aussi qui va voler une fermière, comme on a pu l'avoir hier sur Sand Forest.
Ouais, c'est 100 de bois le piège à poisson, effectivement, c'est pas donné. Hein. C'est un petit budget, là, mine de rien, sur ce début d'âge feudal. En tout cas, ce début d'âge feudal est maintenant terminé, puisqu'on est en train de se diriger vers un début d'âge des châteaux. Côté Dragonstar, on va EP dans 40 secondes, une minute du coup de différence entre les deux joueurs sur l'uptime. C'est pas forcément dramatique, étant donné que les deux joueurs sont assez safe chez eux. Surtout les bateaux de pêche, là, mais ça me paraît compliqué d'aller chercher le milieu, là, pour Dragonstar, en tout cas au début. On a une écurie qui va être proposée ici, côté Fire, qui devrait du coup partir sur Knights. C'est intéressant, on le rappelle, hein, les pairs ont un bonus d'attaque de plus 2 de dégâts, hein, si je ne m'abuse, sur les archers. Donc, partir sur KTS ici, sur un italien qui fait archer, ça me paraît être un très 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 bon call côté Fire. D'ailleurs, on va cliquer également ligne de sang, on va rajouter un troisième dock au milieu. On connaît aussi Fire pour ses démolitions, hein. Il en a proposé quelques-uns durant ce main event. Attention du coup à Dragonstar, hein, de pas trop s'exposer sur ce lac. En tout cas, on y est. Crossbow, plus 2 d'attaque, qui va être enchaîné juste après le plus 1. On va peut-être pouvoir commencer à mettre un petit peu de pression, du coup, pour le joueur indien ici. Toujours très tranquille sur ses lacs. Mais justement, en parlant de ça, on a un Fire qui prend l'information. Il s'en rend compte, du coup, de la supercherie ici, Fire. En contre Dragonstar, il est en train de vivre sa meilleure vie sur les lacs du Nord et du Sud. Et derrière, peut-être réagir en conséquence. Pourquoi pas envoyer les premiers Knights, hein, dans les lacs du Nord et du Sud, pour être très, très, très intéressant. Il y a beaucoup de bateaux de pêche au mid, hein, on le voit. Énormément de bateaux de pêche même. Alors qu'un atelier de siège va être proposé pour Fire, c'est très intéressant ça. Il vient du coup accentuer un petit peu son contrôle map. Effectivement, ça peut être intéressant de commencer à push Mangolo peut-être. Avec un petit monastère peut-être à terme aussi, bien que là ça joue archer. Plus un de défense qui va être cliqué sur la cavalerie. Et effectivement, c'est bel et bien le move que va proposer Fire. Les premiers knights qui vont foncer tête baissée du coup sur ces bateaux de pêche au nord. Pour à mon avis difficilement arrêter ça je pense pour Dragonstar, quoique... A voir si le bateau qui pop dans 10 secondes ici peut faire une réelle différence. Plus de défense qui est en cours aussi côté Fire. Économiquement, il est pas mal. Hein. Ouais, c'est compliqué. La galère ici, elle est en train de se faire sniper. Cette pun qui vient réparer ce Fire. On la prendra quand même, cette galère, pour le coup. Est-ce qu'on n'irait pas chercher la péone dans un premier temps? Effectivement, c'est le cas. Hein. Tout bien joué. Derrière, qu'est-ce qui se passe au niveau de cet atelier de siège? On va donc partir sur un Mangono pour commencer. Attention, Dragonstar. Il serait peut-être intéressant de profiter d'un timing pour proposer son propre atelier de siège sur cette colline, sur cette hauteur. Parce qu'on le sait, hein, sur cette map-là, quand tu dois défendre Mangono avec un atelier de siège qui est fait donc sur le cratère initial, là, dans ta base, extrêmement compliqué. Hein. C'est extrêmement compliqué. Comme tout push partant d'une colline. Bon, oh, attention, peut-être le Mangono aussi qui sort au bon moment, là. Ça va en limite les dégâts. Sur le sud, beaucoup d'action aussi. Le pion qui se fait sniper. Derrière le Fire qui va subir le même sort. On va commencer à pouvoir peut-être aller trouver des nouveaux kills économiques maintenant pour Fire. Il appréhende très très bien cette map, hein, pour le coup. Hein. Et on l'a peu vu, hein, sur cette map-là pour le coup, Fire. Intéressant de voir qu'il la joue quand même très bien. Je sais plus si Fire avait fait la Holy Cup. Parce que c'est une map de la Holy Cup. J'avoue que j'ai un petit doute. Ouais, clairement, quand on est perse ici et qu'on voit que l'adversaire fait des crossbows alors qu'on fait des knights, on est extrêmement content. Là, l'idéal maintenant pour un italien serait peut-être de proposer un château à terme pour sortir des archers génois, mais c'est un scénario qui malheureusement n'arrivera que très peu souvent. Extrêmement dur à envisager comme scénario. C'est surtout des moines du coup qui vont être proposés ici pour Dragonstar. On a aussi fait rédemption. On est en train de cliquer pas mal d'upgrades, hein. Justement, bah, je pense plus commit sur les moines que sur les archers génois, a priori. Trouver du coup des conversions sur ces knights, mais aussi sur ces armes de siège. Attention tout de même, Dragonstar, hein, parce que là, on prend des sacrés shoots. Hein. Il s'agirait de faire attention. On a réussi à préserver aussi quelques bateaux de pêche, visiblement. Sans trop savoir comment, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Que les deux joueurs économiquement en tout cas se suivent. 50 civils contre 53, ça reste assez ok. Par contre, la balance économique est différente. Hein. Que 9 anneaux de nourriture côté Dragonstar. Donc on en a déjà une bonne vingtaine côté Fire. Ce qui pourrait peut-être à terme en tout cas laisser présager que Fire trouverait son impérial avant. Pendant ce temps-là, on trouve la conversion d'un Mangono, mais on trouve aussi un kill de moine. Et c'est pas terminé. Fire qui retrouve un moine derrière. On trouve deux moines.
On se fait convertir à Mangono. Je pense que la séquence reste intéressante. Après, on se fait convertir aussi The Knight. Oh là là, je pense que ouais, c'est compliqué de savoir qui a l'avantage ici. Peut-être que ça a l'air d'être... Ouais, je pense que c'est Dragon Star qui s'en sort le mieux finalement. Il prend 2 Mangono, 2 Knights, 3 Knights même. Peut-être même 4. Attends, ils sont à lui ou ils sont à... Non, il a tout converti. Il a 2 monastères. Ouais, effectivement, la séquence, elle est à l'avantage de Dragon Star, je pense ici. Hein. En tout cas, ça joue beaucoup avec le marché. Et regardez, un Dragon Star qui pourrait peut-être se diriger vers un Impérial. Puisque, rappelons-le, l'âge Impérial des Italiens coûte moins cher. Alors peut-être qu'on va essayer de partir sur un espèce de fast imp. Oh, ça serait vachement couillu. Vachement couillu, mais peut-être que c'est la meilleure solution finalement. Fast impérial qui permettrait peut-être de faire la div du coup. Avec quelques upgrades comme le plus 3 d'attaque, chimie. On a visiblement perdu quelques bateaux de pêche. Hein. Sur le lac du Nord en tout cas, ça s'est pécline en totalité. Sur le sud, il reste 2 bateaux de pêche qui travaillent. On passe maintenant à 7 péons à la nourriture côté Dragon Star. C'est compliqué parce que du coup, même si on clique impérial. L'économie en termes de nourriture est très pauvre. Et je sais pas si on aurait suffisamment d'income pour accueillir l'impérial correctement. Hein. On pourrait peut-être tout juste cliquer un espèce de plus 3 d'attaque, mais derrière c'est compliqué. Hein. Ça clignote en bas, on le voit. On va y retourner, chercher quelques péons. Il y a effectivement une transition pierre qui est proposée côté Dragon Star. Donc on parlait de ces archers génois à terme. Peut-être que c'est effectivement le plan de Dragon Star, mais. C'est très compliqué, c'est très compliqué, surtout que Fire ici il reste quand même très concentré, pas naïf du tout, il vient voir ce qui se passe, il s'offrira du coup quelques nouveaux kills économiques pour un total de 18, hein. Ça commence à faire beaucoup comme dirait Mister V. Derrière on va essayer de repousser ces quelques knights depuis le wall, et merci du coup à Saint-Ouen pour le resub, merci beaucoup jeune Saint-Ouen, apprécié fortement. Allez, on va commencer à prendre cette caserne, la pression qui commence à être de plus en plus importante. Hein. Posé par Fire, balistique qui va cliquer pour Dragon Star. Malheureusement, oh ça va, on continue quand même de récolter de la pierre, c'est intéressant. Fetoria, c'est un play ici, nous dit Archer Briton. Alors Fetoria, tu te trompes de cive, Archer Briton, c'est pour les Portugais. Alors peut-être que c'est une question plus généraliste que tu me poses là ici, et pas forcément du last matchup. Est-ce que Fetoria c'est un play ici? Je sais pas, je pense que ça me paraît trop compliqué. Parce que le problème en fait, si tu veux, c'est que là, dans ton raisonnement, ça serait de faire Fetoria du coup au détriment du milieu et des différents volcans. Mais le problème, c'est que si tu délaisses les milieux, enfin les lacs quoi, en tout cas de manière générale, ton adversaire il prend une avance économique sur toi quoi qu'il arrive. Fetoria, c'est à l'impérial, mec. Hein. C'est quand même assez compliqué. Donc, je pense pas que le portugais soit si pertinent ici. En tout cas, pour Dragon Star, on subit quand même une très très grosse pression. Heureusement, il trouvera son impérial avant que le forum soit vraiment menacé. Est-ce que on va donc pouvoir cliquer certains upgrades côté Dragon Star? On va cliquer le plus 3 d'attaque, j'imagine. C'est effectivement le cas. Brassard qui est cliqué. 1300 de bois en banque pour Dragon Star. Est-ce qu'on voudrait peut-être en vendre un petit peu? J'imagine que les taux doivent être encore ok. Pour autant, on va s'abstenir de vendre. On a bientôt de quoi faire un château. Et encore un pâteau, hein, pas tant, hein. 390 de pierre. Ah et pourtant ça y est, on a vendu une tonne de bois là pour Dragon Star. Récupérer du coup un petit peu d'or en banque. Et injecter dans des moines, on peut le voir. Est-ce que maintenant avec Brassard on peut faire la différence? C'est la question. On gagne donc plus 1 d'attaque mais aussi plus 1 de portée sur ses archers. Plus 1 de portée qui pourrait peut-être du coup essayer de mieux matcher face à ses moines. On le voit, il arrive ici à prendre du coup un moine à Fire, Dragon Star. Mais pour autant lui aussi on perdra quelques-uns. Peut-être quelques conversions. Oh attention, les chutes de Mangono ici. Heureusement évité de justesse par Dragon Star. On perd quand même pas mal de moines, j'ai l'impression, sur cette séquence. Et on arrivera quand même à prendre les Mangono. Alors les Mangono maintenant sont tombés. Est-ce qu'on peut pas en profiter peut-être pour commencer à aller chercher Senai plus facilement? On voit le plus 3 d'attaque ici, il fait du bien. Hein. Il fait du bien. Beaucoup de péons également qui sont... Je pense que là le château il faut le proposer ici. Ça peut paraître compliqué ou délicat comme raisonnement. Mais je pense qu'il faut continuer de sécuriser de la pierre en fait là pour Dragon Star. Et je pense que le château, moi à sa place, je le ferai sur le lac du sud. Pour justement éviter aussi de me faire harasser peut-être par Fire. Fire en tout cas bloqué encore une fois à l'âge des châteaux. Et on a un Dragon Star qui est en train de reprendre un petit peu de contrôle map. Des bateaux de pêche qui commencent à être inquiétés. Les Knights qui, on le voit pour le moment, n'ont plus beaucoup d'utilité ici. Oh, et peut-être que la stratégie de Dragon Star était la bonne, les amis. Toujours très ric-rac à un niveau économie.
pour Dragon Star. On le voit, 4 péons à la nourriture, mais ça lui permet en tout cas pour le moment, depuis qu'il est impérial, de récupérer beaucoup beaucoup d'oxygène. Alors que Light Cab a été proposé ici pour le joueur perse. On le voit, ça se fait littéralement découper par ses archers italiens. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour Dragon Star? C'est la question. On peut le proposer, le château, à tout moment. C'est une question de volonté. Ok, et il optera du coup pour un château sur le volcan du centre. L'idée étant de peut-être aussi récupérer le contrôle de tous ses ors. Attention aussi à ce côté de siège, mon petit Dragon Star, parce que là on s'avance de manière très couillue. Mais il s'agirait de faire attention. Hein. Il s'agirait de faire attention. On va aller chercher le mangonou à gauche, j'ai l'impression. Ouais, mais voilà, Dragon Star! Il s'agirait de faire attention, bon sang! On ne peut pas se permettre de perdre des archers quand l'économie est extrêmement pauvre, comme actuellement. Et c'est pas terminé. Il y a peut-être une fenêtre maintenant pour Fire. Hein. Il a pris la moitié de l'armée de Dragon Star sur un shoot de mangonou. Derrière, on déroule, on le voit. Le Dot Castle peut-être proposé par Dragon Star. Oh là là, la séquence dramatique! Oh, la séquence dramatique, alors qu'on avait fait le plus dur peut-être pour Dragon Star. Oh oui, c'est compliqué. Oh que c'est compliqué. On est sur un choke, les amis. Hein. On avait fait le plus dur. On avait récupéré le contrôle de la colline, on avait repoussé Fire. Et là, maintenant, on se retrouve dans une situation très, très, très inconfortable. Avec un château à 38%. Que pour le moment, on pourra difficilement continuer. Pour autant, on a encore un petit peu d'archers qui permettent du coup d'aller chercher, on voit, quelques mangonos. Espérons pour Dragon Star, Fire qui saute sur l'occasion évidemment. Bien sûr on va annuler du coup cette fondation. On a encore de quoi faire un château pour Dragon Star malgré tout. La question c'est où on va pouvoir faire ce château maintenant. On a perdu le spot là. On a perdu le spot, on a perdu le timing. On va du coup s'orienter vers la gauche maintenant pour Dragon Star. Oh là là, attention par contre Mangono, pas deux fois Dragon Star. Pas deux fois. Ok, bel micro ici, on arrive à split, enfin en tout cas éviter ces shoots de Mangono. Encore une fois, gros sang-froid, on arrive à bien éviter ce shoot de Mangono. Beau split maintenant proposé par Dragon Star. Et ce Mangono qui tombera enfin. Le château qui pour le moment ne pop pas côté Dragon Star. Peu de péons hein, sur la construction, très très peu de péons. Encore une fois, gros sang-froid pour Dragon Star qui ne panique pas et qui sait micro ses archers correctement. Un autre Mangono qui est maintenant prélevé alors qu'un démolition s'empalera sur la fondation de ce château. La Light Cap qui va pouvoir être snappée maintenant pour Dragon Star. 32 villageois, je crois qu'on se fait harasse, mais bien sûr, l'économie qui fond comme neige au soleil. Oh, on a tout perdu, on a tout perdu pour Dragon Star, ça paraît très 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 compliqué. On n'a plus rien. 30 péons qui pourront plus proposer un income suffisant afin de reproduire des archers côté Dragon Star. On a 0 bûcheron, 1 à la nourriture, 8 à l'or. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Ah, c'est fini Dragon Star, c'est terminé. Et pourtant au score c'est tellement serré. Pour cette raison il va peut-être continuer d'y croire, mais au niveau des stats, on a l'overlay, forcément c'est plus facile. C'est archi terminé. Contre Fire, je pense qu'au bout d'un moment quand même il faudrait au moins l'envisager cet impérial. 74 villageois, 22 à la nourriture. Pire des cas, pourquoi pas se l'acheter. Effectivement, commencer à passer à impérial pourrait être une solution intéressante. De Mangono peut-être pour aller chercher ce château. Non, a priori le château va popper. Et ça continue de clignoter. D'ailleurs dans la base de Dragon Star on voit, il y a toujours quelques knights hein, ici et là. Est-ce qu'on peut se refaire? Est-ce qu'on peut vraiment remonter cette game pour Dragon Star? Ça me paraît tellement, tellement compliqué. Pour pas dire impossible. Quelques démons ont été faits, on a amélioré les bateaux hein, pour Fire. Alors attention, encore une fois, un Dragon Star qui... peut-être un petit peu trop de confiance en lui là. Ouais, parce que là, attention, les démolitions sont là. On va partir sur des galères de guerre également pour Fire, visiblement. C'est compliqué, on récupère un petit peu d'or malgré tout pour Dragon Star au milieu. Il y a un trébuchet qui va être proposé, on va essayer visiblement d'aller chercher ce château perche, j'ai l'impression. Mais économiquement parlant, l'avantage de Fire est bien trop fort. Bien trop fort. Attention cependant à pas trop tarder je pense pour Fire. Vraiment l'impérial ici serait intéressant d'aller le trouver. Il y a une belle fenêtre qui s'offre à lui en plus. Hein. Un peu d'action au sud, quelques light caves qui vont être envoyés sur ces péons. Encore une fois, beaucoup de kills économiques qui vont être trouvés ici. Parce que cette light cave elle est full upgrade, hein. Plus de défense, ligne de sang. C'est des ponts qu'on pourra pas tous sauver je pense malheureusement pour Dragon Star. Il commençait tout juste à se refaire un bout de santé là. Et on va tout simplement reperdre des villageois
renégocier bientôt avec les 32 les 32 villageois peut-être pour Dragon Star. Ouais, ce serait intéressant de cliquer un P, comme ça un P après avec Fire on pourrait faire tellement de choses. On va partir sur Trébuchet, Galion à canon peut-être si on veut chercher ce château plus facilement. Ouais, 34 villes hein, pour Dragon Star pour cette séquence, c'est compliqué. On proposera quelques archers génois du coup pendant ce temps-là. Sur une transition génois qui permet effectivement de mieux gérer encore cette Light Cab et ses Knights Perse. Un château qui commence à flamber. Au score, ça reste plus ou moins similaire. Entre 5 et 600 points qui vont séparer ces deux joueurs. Alors qu'un Knight 5 qui à lui seul pourrait peut-être encore une fois trouver beaucoup de dégâts dans l'économie de bûcheron ici. Peut-être un fast wall qui pourrait être salvateur hein, côté Dragon Star. Oui, ça le sauve. Ouais, je pense que ça lui enlève une très grosse épine dans le pied là. Plutôt bien joué. Plutôt bien joué, mais attention tout de même. Derrière, on voit Fire qui a quelques light cab ici. Va peut-être tenter un move dans l'économie de son adversaire. Son flanc droit s'est totalement wallé. On vient d'ailleurs rajouter une deuxième ligne de wall. Hein. Au cas où justement pour Dragon Star qui a l'air de peut-être se douter de quelque chose, il a peut-être une information ici, je ne sais pas. Le château de Fire donc qui tombe, on commence à avoir une banque qui se dessine pour Fire en tout cas en termes de nourriture. Mais au bout d'un moment Fire il va falloir le trouver, cette tâche des châteaux. La macro de Fire qui a pas l'air folichon les amis, 22 minutes d'idle TC. Et effectivement j'ai pas l'impression qu'on fait beaucoup de péons là, hein. Alors qu'on est quand même assez tranquille finalement disons-le. Toujours beaucoup de crossbow hein, côté Dragon Star, avec ce fameux plus 3 d'attaque, qui permet encore une fois de bien matcher contre des Mangono, alors qu'on partira sur Bélier côté Fire, qui j'ai l'impression veut vraiment s'obstiner à partir sur une espèce de full Castle Edge, mais pour autant on le voit, hein, la banque s'accumule là, ça y est, on va peut-être pouvoir se diriger enfin vers un âge des châteaux, un âge impérial pardon pour Dragon Star. Y'a pas de Knights bloqués chez Dragon en bas là? Je sais pas, je pense pas, non. En tout cas, on va réorienter maintenant pour Dragon Star. Quelques crossbows qui vont se diriger dans l'économie, visiblement. Alors après, c'est très protégé. Hein. C'est compliqué de trouver des kills économiques ici pour ces archers. Très, très, très compliqué de négocier stage impérial sans siège hein, pour Dragon Star. On est toujours sur un seul trébuchet. Toujours avec 38 villageois. Hein. Ils en perdent même d'ailleurs par moment. Très, très, très compliqué. Hein. Attention, c'est la mode Fire. Fire qui continue d'investir. Hein, alors que la banque en nourriture et d'or commençait à se manifester, on le voit là lourdement droppé, ce qui veut dire qu'ici il a encore une fois envie de bien commit hein, sur l'âge des châteaux. Oh et ce bois qui tout à l'heure était inquiété visiblement, il a trouvé ici beaucoup de villageois une fois encore pour Fire. Ouais c'est compliqué, très 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 compliqué, derrière les béliers qui vont commencer à se diriger du coup vers le château de Dragon Star. Dragon Star qui a l'information, on va essayer du coup de défendre avec des villageois, on le sait, les villageois ça se joue plutôt bien contre des béliers de l'âge des châteaux. Cependant, attention tout de même, on a beaucoup de cavalerie hein, qui viennent au renfort justement. On va pouvoir trouver de nouveaux kills économiques pour Dragon Star. Malgré les archers génois, je pense que ça ne suffira pas. On va à mon avis trouver même le GG, si vous voulez mon avis, sur ce move côté Fire. Une game qui se gagne, mais dans la douleur, j'ai l'impression, côté Fire. Voilà, on clean une tonne, hein, 26 villes maintenant pour Dragon Star. 26 villes, un nouvel âge féodal qui commence pour le joueur indien. Compliqué quand même, mon petit Dragon Star là. Très 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 compliqué. Et ça collera le GG. Fire donc qui va rentrer cette première game les amis. Mais peu convaincu par cette game. Hein. Même par Fire je suis peu convaincu. Je trouve quand même que on a mis du temps à trouver une solution. Bon les béliers ont été intéressants mais la macro était pas bonne. En vrai, 24 minutes d'idle TC hein, pour Fire. Hein. C'est beaucoup. Hein. Alors qu'on n'est pas inquiété. Hein. C'est quand même beaucoup beaucoup. Ok. Ok, ok, ok. Le niveau a chuté sur cette demi comparé à hier. Frérot, c'est la première game. Acid Wharf, c'est la première game. Calme-toi, voyons. Va donc boire un peu d'eau, fais comme moi. Bois de l'eau. Je crois qu'on va avoir un petit game ID qui va popper, les amis. Hein. Laissez-moi regarder ça. Oui, effectivement, on a un game ID. Macro d'ego de Fire par contre, ouais, effectivement, c'est ce que je viens de dire, Dragon Hussard. Dragon Hussard qui fait un commentaire à l'écrit dans le chat. Hein.
pour les sourds et les malentendants. Fire sans spliff au bec, c'est peut-être niveau Viper, nous dit Marcas. En tout cas, toi, une chose est sûre, c'est que t'en as un gros à la bouche, là, pour dire des conneries pareilles. Alors, tu peux pas dire que Fire, c'est niveau Viper, frérot. Par pitié, respecte Viper. Oh, merde, j'ai rejoint le lobby. Oups. Ils m'ont kické, mais c'est incroyable. Les joueurs qui m'ont kické du lobby, les amis. Complètement fou. Incroyable. Merci à Fire, merci à Siskan pour le host, merci beaucoup Siskan. Pas de respect, j'avoue, terrible. Je voulais montrer à Fire comment on faisait des péons, il a pas voulu, tant pis pour lui. Hein. C'est un pseudo bizarre aussi. Ah mais c'est vrai que mon pseudo c'est Gachira quand même. Bien vu. Non, je suis sur Jacques Chirac, là, carrément. Mon pseudo, c'est Jacques Chirac. Malheureusement, j'ai arrêté de m'appeler Louis de Football, parce que le problème, c'est que, avec mes conneries, maintenant, sur Wikipédia, il y a marqué Ocean Empire, alternative nickname, Louis Football. Archi relou. Archi relou. Donc, ouais, j'arrête mes conneries, là. Je pense que c'est vrai, hein. C'est archi vrai, pour le coup. Salut, Costicoz. C'est quoi la musique des hosts? C'est une musique de Danheim. Tu tapes Danheim sur YouTube, après j'ai pas le titre frérot, je suis désolé. Peut-être bien Clémol, peut-être bien. Ok, la game est lancée, Sandforest les amis. Je m'en frotte les mains, parce que vous le savez j'aime beaucoup. Franc contre Hongrois, ça sera le match-up. Peu de francs sur Sandforest hein, de manière générale. Peu de francs. C'est aussi souvent snipé. Donc ouais, c'est intéressant ici de pouvoir les voir à l'œuvre. Franc contre Hongrois, ça donnait une très belle game, ça. On peut déjà la prévoir. Hein. Ça a proposé à mon avis beaucoup de scouts d'un côté comme de l'autre. Alors que Caput a dit quel BG, let's go. Mec, sache une chose. Je ne serai jamais plus beau que toi, Caput. Sache-le. Fire roule au diesel, apparemment il a du mal à rentrer dans ses BO. En tout cas hier c'était le cas effectivement. Et d'ailleurs je lui ai posé la question par rapport à sa game sur Arabi hier. Je lui ai dit explique, qu'est-ce qui s'est passé. Et il a non seulement perdu un péon sur le féodal, bah le péon que Sito lui a tué, mais il a également tué un sanglier du coup avec le forum. C'est pour ça qu'il a tenté un truc absolument incroyable. Il a dit en vrai j'avais pas de plan, genre quand j'ai vu que j'avais perdu un péon et un sanglier, bah j'ai improvisé et puis advienne que pourra quoi. C'est grosso merdo ce qu'il m'a dit. Donc tout s'explique sur cette deuxième game. Alors la régie qui a fait une blague mais encore une fois je l'ai pas. Pinto les amis qui me dit alors qu'en vrai, on sait tous que ce qui roule c'est pas du diesel. Ah bah oui, en référence au spliff. Wow, Pinto vas-y plus doucement s'il te plaît, je te jure j'ai du mal à me réveiller là. Terrible. Aïe aïe aïe. Et merci Take It pour les 100 bits. Fire, mais ce qui me fume avec Fire, c'est que quand il stream, les gars, donc toujours torse nu, un classique, et torse nu, cigarette roulée ou autre chose à la bouche, et derrière, je crois qu'il y a sa femme sur le lit en train de mater une série. Incroyable. Jamais vu un tel décor de stream. Aïe, 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 aïe. Bad boy for life, j'avoue. Du coup, bah écoutez les amis, ça se lance, hein. En avant Guingamp. Pas du tout la même ambiance qu'Ogéane. Ah bah frérot, ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr. Qu'est-ce qui lui arrive à mon capturage là? Lance-toi, bon sang. Let's go. Les amis, on est reparti. Sandforest du coup pour cette deuxième game. Franc contre Hongrois du coup. Deux civilisations qui abordent pour le coup très bien cette map là. Pourtant j'ai une stream à poil, alors que c'est totalement faux ça. Totalement faux. Rappelons peut-être un petit peu le bonus des francs. Les francs qui vont avoir un bonus de récolte sur les baies. De ce fait là c'est quand même assez intéressant. On peut proposer des scoot rush van pop sans forcer pour le coup. Très fluide économiquement parlant.
mais surtout des scouts qui, dès le début de l'âge féodal, se retrouvent avec 54 HP au lieu de 45. Donc, sur un début de Féowar et un début de Scout Rush, c'est un avantage qui est quand même très très fort. Par contre, le Hongrois, lui, a des scouts aussi très intéressants. Déjà, ils coûtent moins cher, environ 65 de nourriture au lieu de 80. Ils commenceront l'âge féodal avec plus 1 d'attaque. Et eux ont ligne de sang. Donc, sur le féodal, on se retrouverait après avoir cliqué ligne de sang avec des scouts à 65 HP. On prendrait donc l'avantage sur le scout franc qui en a 54. Mais attention aussi au franc, puisque à partir de l'âge des châteaux, il a ligne de sang gratuitement. Donc il aurait des knights à 120 HP instantanément. Donc c'est pour ça que là le match-up est très 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 intéressant. Il y a des avantages des deux côtés, ça se rééquilibre à certains moments de la game. On peut ici avoir beaucoup de sport, les amis. Hein. On peut bet, nous dit Onibak. Bah tu peux bet si t'arrives à l'heure, malheureusement t'es arrivé en cours de BO5, donc non. Par contre, les amis, je le redis, sur Discord, on a une nouvelle fois lancé un pronostic pour cette finale. Donc vous pouvez sur Discord, dans le channel approprié, pronostiquer sur qui va aller en finale, et également pronostiquer sur le score exact. À toutes les personnes qui auront donc le bon prono, que ça soit donc pseudo plus score, je vous rajouterai pardon 150 000 bananes sur votre portefeuille Wizbot. Donc n'hésitez pas à les pronostiquer, vous avez le temps des deux demi-finales. Enfin non, même pas, bah non, c'est terminé, ça y est, vous pouvez plus. Modération, ça me fait penser, il faut fermer le channel du coup. Il faut fermer le channel. Plus besoin de bananes, j'ai tout raflé en mise en fire hier. Ouais bah certains ont tenté le move sur Fire, hein, effectivement. Hein. Il y avait une excellente cote en plus sur Fire, je sais plus c'est quoi la cote, mais je crois que c'était un truc du style 80-20, non? Ou un truc comme ça. 80-20, ouais, je pense, pour 80 pour Sito, 20 pour Fire, une connerie du genre. Effectivement, il y avait... Ouais, c'était un 80-20. Hein. Donc il y avait quand même un sacré move à faire. Hein. Mais je pense que typiquement, de toute façon, les meilleurs calls, les meilleurs paris, pardon, c'est sur ce genre de rencontre. Hein. Quand t'as un Français qui joue contre un très gros joueur aussi, tu vas avoir beaucoup de chauvins qui vont vouloir miser sur le Français. Alors que, bah, malheureusement, le concurrent en face est aussi très bon, quoi. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Dragon Hussard qui continue de faire son commentaire à l'écrit dans le chat, c'est quand même incroyable. Ça me fume. Mais pourquoi le Klaus, tu m'as dit de le rappeler? Bah, parce que, bah, en vrai, normalement... c'est censé s'arrêter maintenant. Je vais pas... Enfin, on va pas pronostiquer sur qui va aller en finale alors que... On aurait une demi-finale qui a déjà été jouée, ça n'a pas de sens. On arrive sur une fin de BO déjà, hein, on le voit, 19 de pop chez les deux joueurs. C'est pas trop attardé aux maps, mais a priori les maps sont assez standards hein, pour une Sand Forest. On a toutes les forêts au même endroit d'ailleurs pour Fire, c'est intéressant. Tout est à gauche d'ailleurs. Regardez sur la minimap, ouais, c'est extrêmement parlant. Toutes les forêts sont à gauche pour Fire. Alors que côté Dragon Star, c'est peut-être un peu plus standard. Finalement, son or est très exposé par contre. Hein. Oh là là, très 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 exposé. Tous les ors même hein, de Dragon Star sont exposés. Il va falloir faire très attention à ce petit détail. D'ailleurs, on commence à scouter l'économie de Dragon Star pour Fire. On va un petit peu analyser les différents points sensibles éventuellement pour les premières... Vous me recevez? Oui, normalement vous me entendez. J'avais plus de piles les amis dans mon micro. Donc j'espère que Dragon Hussard a pris le relais.
Merci Dragon Hussard pour le cast à l'écrit. On est donc reparti nous de notre côté, les gars. Hop. On arrivera donc sur le féodal. Avec les hubs du bois cliqués instantanément. Et les écuries qui vont être ajoutées. Fire en tout cas qui va rajouter la sienne. Salut à tous ceux qui débarquent hein, au fur et à mesure. Et du coup, on part effectivement sur un forward. On a raté cette petite ouverture pour Dragon Star. Vous voyez que j'étais en train de réparer ce problème de micro. Mais c'est intéressant du coup parce que, encore une fois, hein, c'est quelque chose qui sait bien faire. Et rappelez-vous sur justement la rencontre en Payroll 3 de passe de groupe Fire Dragon Star. Dragon Star avait fait ça. Son Mutual avait fait un gros forward, ce qui avait énormément déstabilisé Fire. Donc ça peut éventuellement être intéressant. On arrive déjà ici à pénaliser une woodline pour Dragon Star, forçant Fire du coup à réorienter ses quelques bûcherons. Et on l'a dit, hein, toutes les forêts de Fire sont sur le même côté. Ça sera donc tirailleur piqué dans un premier temps. Est-ce que pour Fire on va continuer de faire des scouts? Pour le moment j'ai l'impression qu'on va en faire quelques-uns. Est-ce qu'on n'aurait pas envie peut-être d'aller contre-attaquer? Puisque là malheureusement en défense les scouts vont pas servir à grand chose. Il y a trop de lanciers. Oh, il y a peut-être un scout. Dommage, on a peut-être raté un petit timing là pour infliger quelques dégâts à ce scout. Mais on va continuer d'avancer du coup. Derrière, une tour défensive qui va être proposée pour Fire sur le flanc gauche. Ouais, vas-y, laissons bête les gens sur Discord. En tout cas, pronostiquer sur Discord encore quelques minutes, Joe. Et bah, tu sais quoi, à la fin de cette game. À la fin de cette game, les amis, vous ne pourrez plus pronostiquer sur Discord. Donc dépêchez-vous si vous êtes sur Discord. Profitez-en. Si vous ne l'êtes pas sur Discord, dépêchez-vous de rejoindre Discord. Channel Prono World Rumble. Pronostiquer sur les deux finalistes avec le score que vous pensez voir en finale. On le rappelle, c'est un BO7 en finale. Et pour tous ceux donc qui ont le bon prono, ça sera 150 000 bananes sur votre portefeuille Wizbot. Je le rappelle, la boutique accessible avec la commande point exclamation banane. Il y a quelques cartes cadeaux à gagner, notamment sur Amazon, mais aussi la possibilité d'envoyer des singes au ski. Et ça n'a pas de prix. Derrière, on est en train de rouler Lord of Fire côté Dragon Star avec une petite maison justement. Attention à ces scouts, hein. On le rappelle, les scouts de Fire équipés du plus 1 d'attaque. Là où c'est intéressant, c'est que pour le moment Dragon Star il est tranquille. Hein. On a un Fire qui reste pour le moment que en défense. Ça me plaît Dragon Star, nous dit Archaos. Moi aussi j'aime bien. Il sort un petit peu des sentiers battus. C'est pas tout le monde hein, qui aurait le courage de proposer ce genre de stratégie en demi-finale. Sur des maps qui, en plus de ça, ont un metagame assez établi, hein. C'est bien la première fois qu'on voit, je crois, ou la deuxième fois peut-être, qu'on voit un forward sur cette map-là en World Rumble. Donc, non, c'est intéressant, effectivement, cette démarche de Dragon Star. En tout cas, on le voit à côté Fire, on aura proposé une archerie. Lui aussi partira sur tirailleur. Aucun des joueurs, pour le moment, n'a fletching. Sur Mutflow, en tout cas, il l'avait déjà proposé, le forward... Dragon Star, il avait fait dans son Play Hall 3 justement contre Fire, il avait fait un forward sur Mutflow. Il avait été extraordinaire ce forward, avec plein de tours partout et tout. Donc hier il a refait la même chose sur Margou, sur Mutflow encore une fois. Et là bah sur Sound Forest, et une nouvelle fois donc contre Fire, un re-forward. Premier kill économique cependant a été trouvé hein, par Fire, j'imagine sur l'un des pions forward. On est sur une seule archerie pour le moment, on continue de produire pas mal de lanciers. Beaucoup de péons du coup, qui sont monopolisés, hein, on le voit dans l'armée de Fire. Bon, j'en veux du coup un petit... Oh, attention, elle est pas mal cette séquence-là. Oh oui, deux villageois qui viennent de tomber les uns après les autres, peut-être un troisième. Oh oui, trois villageois, quatre villageois trouvés par Dragon Star. Oh les amis, ça s'est retourné d'un coup. Qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles? Incroyable. Comme quoi, hein, ça va vite, hein. Ça va très très vite, hein. En l'espace d'une seconde, 32 villageois maintenant contre 27. Ouais, très très belle séquence, hein. Pour Dragon Star, ça mérite une petite ola peut-être, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, ça part. Ah bah non, ça part pas. Oh, tant pis. Pas de ola du coup, les amis, désolé. Bah faites une ola quand même dans le chat, hein, vous pouvez, hein. Mais j'avoue, là, je sais pas pourquoi le stream deck il marche plus. Trop bizarre. Quelqu'un qui me porte l'œil, ça me veut du mal les amis dans le chat. Clairement il y a quelqu'un qui me veut du mal. On va essayer de proposer une petite tour du coup pour Dragon Star. Alors que Maxi Fruit Resub.
Merci beaucoup Maxi Fritz. D'ailleurs, on va venir rusher cette tour pour Fire. Attention tout de même, hein. Dragonstar n'a pas l'air d'être de cet avis. Il va venir essayer de protéger du coup ces villageois qui construisent. Il y a des villageois très low HP d'ailleurs dans l'économie. Enfin, dans l'économie. Dans ces villageois ici qui fight. Et on va pouvoir trouver un kill de plus pour Dragonstar. Un deuxième pour un total de 6. Oh que ça joue bien. Oh que ça joue bien pour Dragonstar. La tour qui pop. Qui va apporter du coup un excellent point d'appui. Les tireurs qui viennent se mettre au pied de cette tour. Les tireurs qui ont le plus un attaque hein, d'ailleurs côté Fire. Alors qu'on ne l'a pas côté Dragonstar. Mais visiblement ça suffira à Dragonstar pour continuer d'inquiéter son adversaire. Continue de réparer. Oh, c'est incroyable. Cette séquence est incroyable les amis pour Dragonstar encore une fois. Hein. On n'arrive pas. Hein. On n'arrive pas du tout à faire face à ce forward. C'est beau, hein. C'est beau de voir que des joueurs comme ça, qui sont peut-être pas spécialement donnés favoris, en tout cas, proposent ce genre de stratégie, se voient de moins en moins, et ça collera les amis. Hein. Phénoménal, hein. Phénoménal ce forward de Dragonstar sur Sandforest en plus, bon sang, sur Sandforest. Incroyable, masterclass de l'infini. Masterclass de l'infini les amis, c'est une véritable masterclass, vraiment. On va voir les stats, même si à mon avis, il n'y a pas grand chose à en tirer. Cadet à l'avantage de Dragon, effectivement. L'économie, ça s'envole au bout d'un moment quand on... Je pense que là, typiquement, ce moment, c'est quand on perd les 4 péons, là. Phénoménal. Je suis amoureux de Dragonstar, nous dit Rinached. Dragonstar, les amis, depuis ce main event, il est totalement, fidèle à ce qu'il a proposé en phase de coupe. Hein. C'est incroyable, hein. J'ai l'impression qu'effectivement, vous êtes beaucoup, hein. À apprécier ce play de Dragonstar. C'est très agréable effectivement à observer, je suis d'accord avec vous. Quel regard sur la tour de Fire. Fire avant l'agression sur la deuxième forêt. Je pense qu'elle est intéressante la tour de Fire, mais... Parce que mine de rien, il veut s'assurer le contrôle d'une forêt, et on le voit, hein, au début, Dragonstar, il voulait se diriger vers là, justement. Donc je pense qu'il a besoin de protéger cette forêt. Maintenant, ouais, je sais pas. Compliqué, hein. Le Tower Master s'est fait Tower Masterer. Ouais, effectivement. Même si là, c'est vraiment le forward pour le coup qui fait la diff, hein, plus que les tours. Le forward est vraiment très bien. Hein. Côté Dragonstar, c'est maîtrisé en tout cas. Et salut à tous ceux qui débarquent au fur et à mesure. Hein. Salutations distinguées à tous. Et merci à JBR pour le Prime. Merci beaucoup. Merci, merci, on est déjà 865, waouh. Merci à tous d'être là, hein. Première rencontre de la journée, on est déjà quasiment 1000. Pff, incroyable, merci à tous. Joe qui nous rappelle que dans une minute, le channel est verrouillé. Dépêchez-vous les amis sur Discord de pronostiquer du coup votre finale avec le score exact. 150 000 bananes en jeu. Et derrière donc, on va partir sur Arabia, et ça fait plaisir. Dragonstar est indien, Aonabang. Je t'invite d'ailleurs à aller le follow sur Twitch, il stream assez régulièrement. Tu tapes The-DragonStar, je crois, tu devrais le trouver. Et très friendly en plus, quelqu'un de souriant et tout, c'est cool. Un bon gars, un très good guy, il vient d'ailleurs sur le stream de temps en temps. Thank you, Dux. Faudrait jouer une ou deux Lombardies en team game avec Dragonstar, de ouf. De ouf, de ouf, il a l'air à l'aise, hein. Il a l'air à l'aise, hein. On le fera jouer Briton. Faut que tu tombes ton gonflet pour afficher le... C'est vrai, même si c'est pas le but, hein, mais... Bien vu, merci Graphic War. Apprécié. Les amis, la game se lance. On est de retour, pardon. On part donc sur Arabi. Dragonstar Fire pour la troisième game maintenant de cette première demi-finale qui pour le moment remplit toutes les promesses. On ne salue pas du coup le leader qui a dit il y a moins de niveau qu'hier. Pour le moment, le niveau est au rendez-vous. C'est serré. Les joueurs se tapent. Et ça, c'est très intéressant. Est-ce qu'on va avoir un Fire qui va essayer de lame un sanglier? Sur Arabi, j'ai tendance à croire qu'il essaye souvent de lame des sangliers, le petit Dragonstar. Non, non, pas du tout, Chacal. T'es le deuxième à dire ça, mais je te jure que non. J'ai juste brossé ma barbe et du coup, bah, le poil blanc, il est dissimulé dans la masse, quoi. Mais non, non, je l'ai pas enlevé mon poil blanc, frérot. Je laisse mon barbier s'en charger. Mais en vrai, j'ai aucune honte à avoir des poils blancs dans la barbe. C'est juste que là, pour le coup, on le voit pas.
les brossés tout à l'heure, et du coup voilà. Qu'est-ce que ça raconte niveau map côté Fire? On a un orc qui est dégueulasse, hein. Même deux orcs dégueulasses, on le voit là, les deux sont forward avec une grosse colline devant. Il va falloir y faire très attention. Petite forêt à droite qui fera l'affaire, le temps on va dire, de la chambre début féodal. Autrement il y aurait celle-ci à gauche qui pourrait faire l'affaire éventuellement. Côté Dragonstar, ça dit quoi? On a la chance d'avoir un orc dans le bac, on pourrait peut-être trouver un wall ici, je ne sais pas, c'est peut-être un peu loin. Salut Logi. Bay forward également pour Dragonstar. Il faudra y faire attention. Au moment Dragonstar qui va se rabattre quelques zebs, j'ai l'impression, quelques autruches également. Pinto, tu sais pourquoi Meola elle marche plus sur le stream deck ou pas? Tu sais pourquoi Meola elle marche plus sur le stream deck? Il a passé un coup de feutre noir dessus. Ouais, c'est ça, on va dire ça. Oui. 4 bûcherons du coup côté Fire. Parlons du match-up aussi, excusez-moi, j'étais en train de voir pourquoi mais on la marchait pas, mais effectivement, concentrons-nous un peu sur le match-up. Fire éthiopien. Fire éthiopien. Viking éthiopien plutôt. Un match-up assez classique finalement sur cette map-là. Deux civs qui sont fortement orientés archers. Est-ce qu'on va partir sur un Manat Arms pour l'éthiopien? Assez souvent en tout cas. D'ailleurs avec ces 4 bûcherons on pourrait aussi proposer la même chose. Alors qu'on a que 3 bûcherons côté Dragonstar, c'est très intéressant. 3 bûcherons pour le joueur éthiopien. On a quand même pas trop souvent envie d'ouvrir Scoot Rush je pense hein, pour Dragonstar avec éthiopien ici. Hein. Et tu as l'avantage PO et Imp non, surtout à l'Imp. Très très fort à l'Impérial par rapport à Viking éthiopien. Sur le féodal, c'est assez even quand même, je dirais. On a quand même la brouette hein, qui pop côté viking instantanément début féo, et ça, c'est pas rien. Après, on a des meilleurs archers, hein, de toute façon, de base, quoi qu'il arrive, pour un éthiopien. Je pense que sur féodal, c'est assez even. Sur l'impérial, c'est éthiopien 100%. Sur l'âge des châteaux, c'est aussi éthiopien, je pense. Testons les hauts là, les amis. Elle remarche, les amis, let's go. On remercie Pinto. Toujours. Dit, hein, pour nous aider en cas de besoin. Alors que le deuxième sanglier est rabattu. On aura une caserne hein, côté Fire. Ça serait donc peut-être plus un rush qu'un Manat Arms. Pas impossible. Reste à voir combien de miliciens il va nous proposer. 6 joueurs brésiliens. On en a 2 qui sont déjà prêts à partir à l'attaque, alors que le scout de Dragonstar pourrait peut-être choper le timing. Mais malheureusement non, alors peut-être que la caserne aussi va être vue. La caserne qui peut déjà mettre en indication du coup. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir peut-être se montrer discret et créer la surprise. Côté Fire, on pourrait peut-être arriver sur les baies. Bien que justement après avoir scouté cette caserne, Dragonstar ici décidera de faire un petit fast wall. De manière à pouvoir anticiper justement ce move ici. Et Féodal cliqué, hein. Féodal cliqué pour Dragonstar. Warpex pour le Gifted Sum, merci beaucoup Warpex. Ouais, deux miliciens qui pour le moment ne trouvent rien, hein, se mettent sous la dent. Il va falloir se montrer un petit peu plus patient pour Dragonstar, pour Fire. Alors que Dragonstar continue de scouter la base de son adversaire. En repartant par contre peut-être du mauvais côté, hein. Il a scouté les baies, je pense peut-être que le forum est vers là, c'est étonnant. Merci à Skies pour le gifted à bras, merci beaucoup les amis pour vos gifted subs, appréciez fortement. Par contre attention, on ne peut pas prendre d'or côté Dragonstar. Je ne sais pas s'il était parti pour faire une espèce de recherché, mais en tout cas pour le moment les miliciens prennent le contrôle de l'or de... Dragonstar et c'est plutôt intéressant. Oh, par contre attention Fire. Attention. Heureusement la trajectoire fait qu'on arrive à éviter pas mal de flèches. On aurait pu se faire punir ici. Hein. Oh et sur les baies peut-être, dommage, on loupe aussi un timing là pour Dragonstar. On le voit, le pathfinding des villageois fait n'importe quoi. On aurait peut-être pu sanctionner, malheureusement on loupe le coche. On arrive donc féodal. On va pouvoir rajouter une archerie. Ça va donc une ouverture recharchée
tout ce qui est plus standard. L'up du bois est cliqué côté Dragon Star. On va venir récupérer quelques informations supplémentaires, voir un petit peu comment ça se comporte sur ce camp de bûcherons. On voit qu'il y a toujours beaucoup de bûcherons vulnérables qui, en plus de ça, subiraient le malus colline, typiquement si les archers venaient là-bas. Pareil pour l'or, hein. Est-ce qu'on aurait pas envie de prêcher une tour à terme pour Fire afin de peut-être garder le contrôle, s'assurer le contrôle de ce store-là plus facilement? C'est la question. Dans ce temps-là, on essaie de coucher une maison, visiblement, pour Fire, à défaut de pouvoir faire autre chose. Première archi qui vont pouvoir libérer un peu de pression. On a aussi un petit lancer qui a été fait pour aller chercher le scout de Fire. Trouver quelques HP d'ailleurs sur ce scout. La forge qui est proposée très rapidement pour le joueur éthiopien. On va pouvoir cliquer fetching instantanément. C'est là la force d'éthiopien aussi, c'est que ce petit bonus de soins de nourriture sans d'or permet aussi de cliquer fletching beaucoup plus rapidement, notamment quand on ouvre simplement archer. Et on pourrait peut-être même aller chercher le scout de Fire, ça serait excellent pour le coup. Ça serait excellent. Priverait du coup le joueur brésilien ici de toute information. Un Dragon Star qui pourrait faire du coup derrière ce qu'il veut. La première archerie sera donc proposée également pour Fire. On va faire archer et tirailleur. Et les miliciens qui continuent de rôder dans cette économie pour le moment sans arriver à trouver quoi que ce soit. Très vulnérable la base de Dragon Star sur la gauche, entre cet or et ce camp de bûcheron. Très 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 vulnérable. Et on va pouvoir rentrer peut-être avant que le wall se termine, effectivement. Est-ce qu'avec le plus 1 d'attaque, un archer, un lancier et un scout, on peut trouver un kill économique? Je pense que oui, hein. Je pense que oui, on va pouvoir bodyblock ce péon typiquement, et ça va tomber très très vite. Oh, et Fire qui décide visiblement d'aller fighter, très 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 curieux. Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt aimé tout simplement perdre ce villageois et sauver les deux autres? Parce que là, malheureusement, on va y perdre deux villageois. Oh, Fire, la prise de décision très 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 bancale pour le coup. Ça coûtera 2 kills. Très bien joué de la part de Dragon Star, très très beau move. On va continuer d'envoyer des archers au compte-goutte pour Dragon Star et une transition écurie qui va être proposée ici. Transition écurie puisqu'il le voit, son adversaire a proposé 2 tirailleurs et peut-être même plus d'ailleurs. On a d'ailleurs pré-shot la tour comme convenu pour Fire, mais le problème c'est que là Dragon Star il est extrêmement bien parti dans cette troisième game. C'est extrêmement propre ce qu'il propose ici. Quelques scouts qui pourraient derrière s'avérer redoutables. Avec le plus 1 de défense qui est cliqué en plus de ça. Oh là là là, ça va être tellement dur pour Fire. Tellement, tellement dur. Heureusement qu'ici, le joueur brésilien a trouvé quelques walls. Le problème, c'est que c'est même pas dit que ces walls le sauvent totalement. On pourrait peut-être se mettre derrière les woodlines. Ouais, ça joue bien. Ça joue très, très bien. Les scouts plus 1 de défense ici, ils vont carry. Très clairement. Pour autant, l'économie est très ric-rac, on le voit. On commence à faire une petite transition ferme ici. Que dit fermier? Donc attention tout de même, on ne peut pas non plus en produire continuellement de ces scouts. On prend la formation de la tour pour Dragon Star. Fire, on est averti. On viendra même rajouter une petite maison ici, peut-être pour éviter que ces archers passent en force sous le forum. Un village de l'avance pour le moment, l'avantage de Dragon Star, bien qu'on ait trouvé 2 kills. On n'a qu'un seul villageois, pardon. Un petit peu d'adulte ici à déplorer chez le joueur indien. Au moment, on est plutôt tranquille. On vient proposer aussi une petite tour pour Dragon Star. On prendra 0 risque ici. On commit beaucoup sur l'agression, n'ayant que très peu de moyens de défense du coup. Donc effectivement, une tour paraît assez cohérent. Derrière cette palissade qui commence à flamber, est-ce qu'on peut la coucher pour Dragon Star? C'est pour le coup excellent. Fire ici qui vient justement roll avec l'aide d'une maison. Toujours une très très belle pression d'exercer pour le joueur indien. Le plus en défense qui est cliqué chez les deux joueurs d'ailleurs, attention. Et on va tenter donc un petit move visiblement pour Fire, équipé de 2 archers et 2 tirailleurs. Est-ce qu'on peut faire la différence? 3 tirailleurs pardon et un archer. On peut faire la différence peut-être sur ce bois, c'est compliqué de trouver des kills économiques avec 3 tirailleurs, mais pour autant, on va commencer à mettre un petit peu de pression enfin pour Fire. Subi depuis un petit moment maintenant ce début d'âge feudal. Deuxième archerie qui va être ajoutée pour le joueur viking, ce qui veut quand même dire que Fire va beaucoup jouer sur le feudal d'après cette deuxième archerie. Alors que les scouts vont enfin être proposés également pour le joueur indien, son deuxième. On va mettre un peu d'action du coup derrière cette woodline. Visiblement, on l'a dit, les forêts sont fines. Bien qu'on soit wallé,
on n'est pas forcément à l'abri hein, d'une éventuelle agression sur ce bois. On pourrait même se demander si une tour dans, cette zone-là pourrait pas être ultra bénéfique pour Dragon Star. On a vu qu'il avait pas froid aux yeux hein, au niveau des tours et des forwards. Alors pourquoi pas essayer de proposer une tour ici. Mais le problème c'est qu'il a fait une tour en défense donc on ne peut pas. Ça nécessiterait du coup de reprendre de la pierre. En tout cas il y aurait eu l'idée je pense derrière ce move. Derrière on en vient à se faire clean un petit peu, c'est pas très très grave pour Dragon Star. 15 d'armée contre 13, une économie similaire. On a fait... non on n'a pas fait la brouette côté Dragon Star, alors attention à ça quand même. Hein. L'économie viking qui commence peut-être aussi à s'envoler, mais attention aussi à Dragon Star qui va trouver un bel uptime. A priori en tout cas il va trouver un bel uptime, on n'aura bien sûr pas la brouette du coup pendant cette transition, mais ça reste intéressant. Ça va suivre dans peu de temps côté Fire, hein. Line Commander va arriver peut-être rapidement avec maintenant 17 à l'or. 17 à l'or. Non mais non mais où ça. Ah il a pris un deuxième camp de mineurs là-bas. Mais what. Pourquoi il fait ça. Peut-être pour rattraper justement son retard sur Incom, je ne sais pas. Extrêmement bizarre. En tout cas les scouts ici ça régale, on voit. Ça décime les tirailleurs de Fire. Et ça devrait cliquer hein, quasiment en même temps finalement ouais. Ça cliquera quasiment en même temps. À la différence donc que Fire on aura la brouette hein. Maxi Fruit qui dit là-bas j'aime tellement ce jeu. Incroyable. Maxi Fruit les amis qui commencent à se livrer. C'est beau. Ça ouvre son cœur comme ça aux yeux de tous. Quel bête le plan de jeu maintenant. Deux joueurs qui sont privés de pierre pour éventuellement rajouter des forums. Ça laisserait peut-être présager des ateliers de siège à tout ça pour le coup. Peut-être aussi une balistique. Rechercher assez rapidement. Attention tout de même. Hein. Parce que là il y a Fire qui y revient et cette fois-ci il n'y a pas un archer dans la compo, il y en a trois. 3 archers, 3 tirailleurs qui pourraient peut-être trouver par contre la déquille économique. Il vient se montrer très patient. Et peut-être que cette pionne ici pourrait être inquiétée. Dragon Star qui s'en rend compte très 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 rapidement. D'ailleurs c'est dommage pour Fire, on aurait peut-être aimé rentrer par là justement. On arrive en tout cas à libérer ces bûcherons. Et derrière on a réussi à pénétrer, je ne sais comment, dans l'économie de Fire. Mais en partie seulement puisque les archers on le voit sont un petit peu éloignés de ces scouts. Cette maison qui pourrait tomber. Derrière on joue avec le marché. On s'achète une nouvelle tour pour Fire, ce qui vient un petit peu plomber cette économie. Heureusement, on est viking, donc on avait un petit peu de rab éventuellement. Mais la séquence reste très intéressante pour Dragon Star. On arrive en plus de ça, pardon, à deny pas mal de fermiers. Je pense qu'on est rentré par la gauche, hein. Il doit y avoir un trou, je pense. Hein. Oh, il est rentré ce bon Dragon Star, c'est étonnant ça. Crossbow, en tout cas, qui est cliqué pour Dragon Star. Ouais, il y avait un trou sur la gauche, terrible. Terrible, terrible. Mais ça reste intéressant pour le moment, on a un Fire qui est vraiment, vraiment, vraiment sous pression. On voit que sur la droite, là, du coup, on a dû se rabattre sur cette forêt qui est pour le coup dégueulasse. Il y a l'information de ça, d'ailleurs, Dragon Star, hein, très, 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 très actif avec son scout. On le voit, il essaye de garder en visu ce qui se passe et il va tout simplement y retourner par la gauche. Regardez, très, très, très malin. Fire le sait. Fire sait que Dragon Star sait. Et pour cette raison, on va vite se barrer parce que c'est très bourbier, effectivement, ce qui se passe sur cette forêt. On va peut-être même reboiler, je pense, dans la foulée pour Fire. Et Dragon Star qui vient garder à l'œil tous ces bûcherons, justement. Il le sait, hein. Ça peut être un véritable massacre. Ouais, le timing, il est excellent. Le timing, il est excellent. Et du coup, un work efficiency qui devrait baisser, hein, côté Fire, là, dans les prochaines secondes, minutes. Balistique. J'avais émis l'hypothèse, en tout cas, d'un atelier de siège ou d'une balistique rapide. Bah, côté Dragon Star, en tout cas, ça sera université et balistique, hein, pour faire la différence ici. On a réussi à évacuer tous les bûcherons côté Fire. 56% maintenant hein, d'efficacité de travail. Les bûcherons qui ont retrouvé du coup cette forêt. Plus de peur que de mal pour le joueur brésilien. Et un Dragon Star qui joue quand même très très bien encore une fois. Hein. 21 d'armée contre 19. 41 villageois contre 39. On a maintenant la brouette également pour Dragon Star. Donc les économies sont similaires. Peut-être qu'on préfère d'ailleurs celle de Dragon Star, hein, deuxième up du bois. Là où chez Fire, on n'en a qu'une seule d'upgrade économique sur le bois. Deuxième forum qui va commencer à être ajouté également pour Dragon Star. Et on continue de mettre une très très belle pression. Hein. On a d'ailleurs rajouté une tour supplémentaire. Je pense que Fire, les amis, il est en train de se découvrir un nouveau style de jeu là. Encore une fois, beaucoup de tours. Depuis le début de ce main event, il nous propose énormément, énormément de tours dans son gameplay. L'université, on pourrait se dire qu'il va cliquer balistique, mais connaissant le bonhomme, il pourrait surtout cliquer tour de garde maintenant. Il commence
Et son petit move signature, j'ai l'impression quand même. Hein. Belle pression en tout cas, exercée pour Dragon Star, encore et toujours. Un tas de fermiers qui ne travaillent pas, ou en tout cas très mal. Derrière, on va cliquer balistique côté Fire. Certainement la priorité, effectivement. Derrière, peut-être quelques kills qui pourraient être trouvés. On n'en a pas trouvé d'ailleurs côté Fire. Hein. On n'en a pas trouvé. On a un Dragon Star qui est très 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 actif à chaque fois, très réactif. Et pour autant là, ça va tomber, hein, c'est même certain, ouais. Attention tout de même. On va pouvoir clean peut-être avec ses crossbows qui est en défense. Fire qui ne s'obstinera pas. Va vite faire demi-tour. Limitons du coup les pertes de ces quelques crossbows. Bah, les qui pop maintenant. Les deux joueurs qui vont pouvoir se battre à technologie égale. On trouvera peut-être un kill ici. Oh, on va lui mettre un petit peu de pression sur la droite aussi, j'ai l'impression. Ça y est, c'est maintenant Fire qui passe à la seconde là. On peut le voir sur la gauche et sur la droite. Il y a de l'action entre ces deux joueurs. On essaye de micro tant bien que mal depuis le dessous de cette colline pour Dragon Star. Ça a l'air d'être ok à gauche, il va gagner hein, cette petite fight. Très 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 intéressant comme séquence. Par contre, ici on a perdu pas mal d'archers. À tel point qu'on a été obligé justement de ramener les crossbows qui étaient en attaque en défense hein, pour Dragon Star. Afin d'éviter de se faire submerger. Et éviter que ça snowball peut-être un petit peu trop. Et du coup, une économie quand même pas mal entachée hein, pour Dragon Star. On se retrouve maintenant avec 3 péons à la nourriture. On est en train d'en rajouter quelques-uns. Voilà, attention à ça. Hein. Attention à l'économie. Fire aussi, hein, pour le coup, son économie elle est très orientée boyor. Hein. Les joueurs qui, pour le moment, sont sur des plans de jeu assez all-in, orientés militaires. D'ailleurs, on le voit ici, Fire lui vient rajouter un atelier de siège. ...22 crossbows contre 17. Légère avantage sur le nombre, en tout cas, pour Dragon Star. Là, on va essayer d'aller forcer la fight pour Dragon Star. On arrive à prélever un archer, on en perdra deux également. Bon, c'est quasiment du temps pour temps. Attention tout de même, hein, cette colline qui fait mal. L'atelier de siège du KB a bien été proposé pour Fire. Et on va donc en proposer un Mangono. Pour cette raison suite, Dragon Star va être proposé en défense. La deuxième map du bois enfin cliquée pour Fire. Voilà ici son deuxième kill économique. Attention par contre, hein. Rappelez-vous ce qui s'est passé sur Kill Mutu Lakes. On avait eu des shoots de Mangono incroyables de la part de Fire sur un Dragon Star qui... Et c'est peut-être pour le moment le seul défaut que j'aurais à trouver à Dragon Star. Peut-être que des fois on peut avoir un peu d'excès de confiance. Peut-être un peu trop gourmand à vouloir essayer de micro, tenter des trucs où des fois eh ben, il faudrait juste se barrer. Si on, en tout cas on doit apporter une note un petit peu négative à un Dragon Star qui pour le moment propose des très belles choses. Transition Pierre également qui va être proposée pour Fire. On commence aussi à rajouter quelques outposts. Si tu veux voir le bracket tweet 270 dans le chat, tu tapes point d'exclamation Rumble Series pour accéder au site internet rumbleseries.net afin de retrouver du coup tous les résultats. Ou point d'exclamation site aussi, visiblement les deux marchent. Derrière, on va tenter un petit move visiblement pour Dragon Star. On catch un petit peu de Riprod. C'est vu par Fire, mais on n'a pas l'air de vouloir intercepter ça. Alors que ça continue de jouer énormément avec le marché hein, pour le joueur éthiopien ici. On viendra rajouter aussi un troisième forum. Intéressant. Attention tout de même, hein, Dragon Star. Attention, attention. Derrière, il y a un forum qui va être proposé pour Fire, ça sera son deuxième. Pas de timing, a priori, le forum devrait popper. Il y a un monde où on peut peut-être trouver un péon ici pour Dragon Star, ou peut-être même deux. Est-ce qu'on veut forcer? Ouais, effectivement, on prendra un péon, peut-être deux du coup. Hein. Oui, effectivement, deux péons. Eh, hey, comme quoi, ce move est intéressant. Un petit troisième, un petit quatrième, cinquième, sixième, Dragon Star. D'autres forums du coup pour Fire, il est excellent ce move. Hein. Ça se joue à pas beaucoup, mais le move est excellent. Et le forum viendra popper, mais à quel prix, hein? À quel prix? 51 villageois maintenant contre 66 à l'avantage de Dragon Star. Qui, encore une fois, hein, a du flair, les amis. Ouais, le move est fou, hein. Le move est vraiment, vraiment fou. Derrière, on va les perdre, ces archers, mais on peut leur dire adieu en paix. Ils ont très, très bien travaillé pour le coup. Beaucoup de value. Oh, sur la gauche aussi, regardez un Fire qui commence à
se faire un petit peu submerger. On aura pris un petit shoot pour autant de Mangono derrière et gérer, mais attention tout de même, il y en a un deuxième. Attaque de zone peut-être pour la Gunstar. Fire qui ne s'en rend pas compte. On prendra un shoot et maintenant on est prêt en étau. L'armée qui va totalement se faire clean, les amis. Tous ces archers low HP. L'interception, elle est réelle. Ouais, on va pouvoir trade quelques archers peut-être avant de tout perdre pour Fire. La séquence est désastreuse, désastreuse. 72 villageois maintenant contre 56. 28 d'armée contre 17. Est-ce qu'on pourrait pas commencer à se projeter vers un 2-1 à l'avantage de Dragonstar? Cliquer tireur d'élite pour Fire. On le sait, niveau crossbow, on est en retard, c'est réel. Alors qu'on avait quand même 3 Mangono. Tireur d'élite va être cliqué pour Fire. Alors que Hawk dans le chat dit, me dites pas que j'ai encore parié sur le mauvais cheval. C'est un BO5, Hawk. Ne panique pas. Tout est encore possible. On va essayer maintenant d'aller mettre une pression pour Fire, équipé de ses 4 Mangono et de ses quelques archers. On va essayer d'aller mettre une belle pression. Les deux économies qui commencent à nous laisser penser que les Impériales vont être cliquées dans peu de temps. Côté Dragonstar, en tout cas, c'est très bien setup. Hein. 25 fermés, 34 à l'or. On va pouvoir éventuellement même rééquilibrer un peu avec le marché. Oh, et encore un timing dégueulasse. On se croirait sur Counter-Strike. Qu'est-ce que c'est que ça? Les péons peut-être qui vont être interceptés pour Dragonstar. Oui, il a l'information maintenant de ses péons. On va pouvoir du coup en prélever quelques-uns de plus. Très 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 intéressant. Les pions qui partaient peut-être proposer un château. On a effectivement de quoi faire un château pour Fire. Pour autant, on le voit, il y a une grosse activité entreprise ici de la part de... Oh attention, il y a des Mongolons un peu partout là pour Dragonstar. Il s'agirait de faire attention. Oh là là, mon dieu, quelle catastrophe. C'est maintenant Dragonstar qui subit la foudre des Mangonos. Attention, alors qu'on va cliquer un P dans 2 secondes, on aimerait garder le plus d'archers possible côté Dragonstar. Évidemment. Et dans le play all 3 justement que les deux avaient proposé hein, l'un contre l'autre, en phase de groupe, il me semble qu'il y avait eu une très très belle game, hein, qui avait duré très 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 longtemps, sur Arabi notamment, à vérifier. Et Fire peut-être aussi pour intercepter, est-ce qu'on a le plus de défense? On n'a pas le plus de défense côté Fire, donc peut-être qu'avec un peu de micro pour Dragonstar et la colline peut-être, malheureusement on ne s'en rend pas compte, il y a trop à gérer, trop à faire actuellement. À la maison pour Dragonstar, qui cliquera hein, son impérial sur ce forum d'ailleurs, fortement menacé. Mais c'est pas grave, puisque là on a un Knight un petit peu salvateur hein, qui vient trouver tous les Mangono. Oh la séquence qu'elle est bonne. Oh qu'elle est bonne la séquence pour Dragonstar. Il vient du coup mettre un arrêt total au push de Fire. Alors pour autant le château ici a popé à gauche, c'est pas forcément dramatique. On va pouvoir éventuellement s'étendre vers la gauche ou dans le back pour Dragonstar. Effectivement il a le plus de défense l'ami, d'autant pour moi. J'ai louché, tu as raison, il a le plus de défense Fire. Ouais, je dois confondre du coup Prism. Je pense que c'était contre peut-être Kasbah alors, je ne sais plus. J'ai un petit doute. Je me rappelle d'un Dragonstar qui avait fait une grosse game contre un Viking notamment. Et il était éthiopien d'ailleurs, Dragonstar. Ça doit être contre Kasbah si c'est pas contre Fire. Les deux joueurs hein, qui ont cliqué l'Impérial. On est déjà à la moitié de cette transition pour Dragonstar. L'avantage est donc intéressant. Est-ce qu'on a une armée suffisamment intéressante aussi pour être pertinent justement sur les premières secondes minutes impériales côté Dragonstar? C'est la question. On a quand même une belle armée côté Fire. 35 unités contre 21. Hein. Et l'économie finalement qui commence à se resserrer aussi un petit peu. C'est exactement ça, GN contre Kasbah. Ok. Les joueurs pro up jamais les Mangono. Ça dépend, c'est situationnel. Des fois tu peux avoir envie de les EP, des fois non. Ça dépend des match-ups, ça dépend contre quoi tu joues. C'est cher au nagre. C'est vrai que c'est un petit billet. Pour le coup c'est un petit billet, c'est pas forcément tout sur quoi t'aimerais te tourner, surtout que ça peut vite virer au drame. Hein. Un petit problème de micro et tu perds tous tes onags, donc c'est situationnel, faut être sûr de ton coup. Après ça reste un billet accessible, hein. C'est pas comme si tu te payais par exemple au NAC de siège, qui est pour le coup encore plus cher. Mais ouais c'est un peu trop situationnel pour le coup, c'est pour ça que t'en vois peu souvent finalement.
Pour le coup, Dragon Star, donc sur son passage impé, cliquera Brassard, mais également Chimie. Quelques knights qui vadrouillent au nord de la map. On essaie de voir un petit peu ce qui se passe. Peut-être intercepter justement, pourquoi pas, des péons qui viendraient faire un forum ici. On n'a pas de château pour Dragon Star. Attention aussi à ça. Hein. Attention aussi à ça. Parce que du coup, on arrive impérial sans trébucher. On perd de précieuses secondes. Et je pense que les trébuchets, ça va être proposé côté Fire. Hein. Au moins un peut-être pour commencer à pêcher. En tout cas, Chimie Brassard est cliqué instantanément aussi pour le joueur brésilien. On l'a dit aussi au début de cette partie. Le match-up est quand même à l'avantage d'un Éthiopien hein, sur le late game. Surtout. Merci beaucoup Manche Bouillette pour le 20e mois. Merci infiniment. Effectivement, surtout depuis que les Vikings se sont vus retirer bac de pouce, sur l'Impérial, ça les rend quand même beaucoup moins efficaces. Le siège Viking par rapport au siège Éthiopien est aussi bien moins fourni. On n'a pas canon de bombarde typiquement pour Viking, là où les Éthiopiens vont l'avoir. Donc dans une tréboire, avoir des canons de bombarde, on le sait maintenant, c'est... comme une certaine, un certain avantage. On a aussi Onak de siège, même si on a dit justement qu'Onak de siège coûtait une blinde et qu'en 1v1 c'était très rare. Puis on a une belle techno dans le château. Hein. Dans le château des Éthiopiens qui permet de faire des dégâts de zone avec les armes de siège. Dans certains cas, ça peut être aussi très très fort, évidemment. Enfin, un trébuchet qui va être proposé par Fire. Dragon Star va pouvoir proposer son château en peu de temps, j'ai l'impression. Mais attention tout de même, hein. Attention tout de même, le contrôle map de Dragon Star n'est pas forcément ultra intéressant ici. On le voit, c'est plutôt Fire qui s'étend, hein, notamment sur la droite avec ce nouveau forum. Ce château aussi qui offre un très beau contrôle map et un beau point d'appui pour pêcher justement. Et sur la droite aussi, pas mal d'armées de Fire. Donc il va falloir que Dragon Star fasse très attention à ce petit détail. Pour le coup, économiquement par contre, il s'envole. Hein. 101 villes maintenant contre 80 à son avantage, ce qui est plutôt intéressant. Effectivement, mais on préfère quand même l'écurie éthiopienne. Qui c'est qui a dit ça? Tamid, pardon. Effectivement, les deux écuries sont vilaines comme tout chez les deux civs, mais à choisir, on préfère quand même l'écurie des Éthiopiens. Bien plus variée malgré tout. On a des chameaux, mais aussi des hussards. À la différence qu'on n'a pas effectivement la troisième meuble de défense, hein, et ni ligne de sang des deux côtés. On va être à l'avantage de Dragon Star, évidemment, ici. On va enfin proposer un château hein, à droite. Pour Dragon Star, afin justement de sécuriser un peu l'économie, mais aussi prendre un petit peu de contrôle map, c'est effectivement très important et nécessaire. Et les canons de bombarde hein, qui vont être proposés chez Dragon Star, on le voit, ils sont là, en train d'arriver justement pour aller chercher peut-être le château et récupérer le contrôle de cette zone, avec mine de rien un petit or qui est beaucoup très intéressant. Alors que Fire ici viendra proposer un nouveau château justement dans son économie. Quel civ a les meilleurs tirailleurs? Bon, je pense que c'est vietnamien avec tirailleurs impériaux. Mais ceux des Mayas sont aussi très très bons. Allez, on a enfin le premier château pour Dragon Star. Peut-être qu'on aurait, voilà, envie de cliquer conscription. Donc on le peut en tout cas. Les Aztèques plutôt non. Ceux des Aztèques sont aussi très bons. Mais ceux des Mayas aussi. Après, lesquels sont les meilleurs entre ceux des Aztèques et des Mayas, je ne sais pas. Bon, il y a un petit move peut-être sur ce spot là, quelques tirailleurs full upgrade. Qui pourraient trouver quelques kills économiques. Pendant ce temps là, côté Fire, on prépare une transition les amis, regardez. Plus 1 de défense sur l'infanterie qui est cliquée. C'est intéressant, sur quoi on voudrait donc partir côté Fire. On est pour le moment face à un Éthiopien qui est full tirailleur. Donc n'importe quelle infanterie, un minimum upgrade côté Fire, pourrait pour le coup s'avérer intéressante contre les tirailleurs de Dragon Star. Mais à tout moment, on repart sur un switch arbalétrier. D'ailleurs, on le voit, c'est cliqué arbalétrier hein, côté Dragon Star. Donc attention, Fire. Château en tout cas très intéressant qui devrait pouvoir popper ici. Encore une fois, on vient accélérer un petit peu, accentuer son contrôle map là pour le joueur brésilien. Alors qu'on a réussi à coucher le château à gauche comme convenu pour Dragon Star. On va aussi cliquer Pélier renforcé pour Fire. Et on continue du coup de pêcher par la droite. J'ai l'impression pour la Dragon Star ici. Hein. Attention, bloqué en population, le joueur brésilien. Le château qui va pouvoir réparer à ce petit souci. Sur la gauche, un petit move. Oh, il est sympa ce coup, par contre. Hein, il peut faire beaucoup de dégâts. Alors, heureusement, on va être averti peut-être grâce à la perte de ce péon ou aussi grâce à cet outpost. Mais ça peut pour le coup faire très très mal à l'économie.
Dragonstar va devoir ici être très réactif. Tout comme Fire, attention, hein, on est lourdement menacé. Micro décalant de bombarde plutôt intéressant de la part de Dragonstar ici. On évitera du coup de se faire snapper, on va même tout simplement réorienter ce push. Hein. Regardez, un forum ici, il se fait pusher par 3 canons de bombarde sur colline. On le voit, ça tombe à la vitesse de la lumière. À la vitesse de la lumière. Oh, et ici on est en train de se faire clean aussi un petit peu, j'ai l'impression on a perdu quelques archers. Mais le move continue de perdurer, on va pouvoir peut-être inquiéter de l'économie maintenant pour Fire. Un trébuchet ici, pardon, il est en train de se faire sniper. Est-ce qu'on peut pas aller chercher éventuellement le trébuchet de Fire là, sûrement entendu pour Dragonstar. C'est les, pour le moment, tirailleurs qui vont être ciblés. Malheureusement, on perdra le trèb ici. Et on arrive mine de rien à clean pas mal. Hein. Le move qui aurait pu faire plus mal si on était descendu plus bas pour Fire. Il faudra donc s'y reprendre à deux fois. Belle banque de nourriture et de bois hein, côté Dragonstar. Alors que côté Fire, on continue d'investir lourdement. C'est viable, Footgear nous demande Hawk dans le chat. Bah, à mon sens, pas vraiment. Là, en tout cas, ça l'est, puisqu'on est que sur du tirailleur sur cette compo. Mais si on commence à rajouter des arbalétriers côté Dragonstar, les Footgear vont se faire exterminer à terme. Hein. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui est en train d'être proposé, puisqu'on a des arbalétriers qui sont en train de sortir ici et rejoindre justement ces tirailleurs. Donc, et c'est là où on disait que le match-up impérial, il est pas bon hein, pour Viking. Hein. Il est pas bon du tout. Hein. Mais c'est un match-up qu'on a commencé à dessiner comme étant mauvais pour Viking déjà depuis longtemps, hein. Déjà en Red Bull Lololo, quand on avait dû échoquer un Viking, on disait constamment que si la game durait, ça allait être compliqué pour le Viking. En tout cas, côté Fire, beaucoup de péons encore une fois qui sont emmenés au front, peut-être afin de réparer effectivement ou proposer un autre château à terme. Il y a une belle gestion de ces canons de bombarde pour Dragonstar. Très très belle gestion, pour le moment on ne les perd pas. Ouais, deux trébuchés en plus qui push hein, en simultané. Il commence à être énervé ce push pour Dragonstar qui clique mécanisme à torsion. Justement, la technologie dont je vous parlais, qui va permettre donc de faire des dégâts de zone. Ça veut dire que même quand on loupera la cible, on touchera et on tuera des unités. Ça y est, c'est maintenant la possession de Dragonstar, ça va être ingérable. Oh, attention par contre les footgear. On peut le voir qu'ils sont envoyés au front. Est-ce qu'on est en élite sur ces footgear? Ouais, ça se fait décimer. Hein. On n'est pas en élite, on se fait exterminer. Oh, le match-up, il est ingérable. Ingérable. Attention du coup à ces canons de bombarde, on le voit, c'est ce qu'on essaie d'aller chercher en priorité pour Fire. Le problème c'est que Dragonstar il est pas dupe, il est pas dupe du tout. Ça joue extrêmement bien. 51 d'armée contre 38, 178 de pop contre 155. L'avantage est réel dans les mains de Dragonstar, on perdra quand même un canon de bombarde, mais à quel prix? À quel prix les amis? Un deuxième. On voit un peu ce qui se passe sur la gauche, pour le moment pas grand chose. Il y a beaucoup de pierres ici pour Fire. 10 mineurs de pierre pour un nouveau château peut-être à terme. La pierre de Dragonstar, elle pour le coup, elle est en train d'être perdue. On perdra aussi par contre les trébuchés. Attention tout de même. Hein. Attention tout de même. Et on revoit que Dragonstar du coup reprend fortement hein, la production d'arbalétrier. C'était peut-être effectivement un peu mal équilibré. Peut-être trop de tirailleurs pour trop peu d'arba, mais on savait pas qu'on allait avoir des footgear dans la compo. Pour cette raison, donc on s'est fait un petit peu surprendre. Il reste des reliques. Oui, 3 reliques sont disponibles encore sur la map. Puisque tu peux voir que Fire en a 2. Et qu'il y a 5 reliques à chaque fois sur Arabi. Donc il y a encore 3 reliques qui sont prenables. Elles sont dessinées avec des carrés blancs sur la minimap. Que tu peux donc voir par toi-même. Derrière, on a un château qui va être proposé. Dog Castle peut-être. Est-ce qu'on peut aller chercher suffisamment de villageois ici pour interrompre la pose de château? Oh là là, oui. Oh, ça coûte une tonne ça. Oh, ça coûte une véritable tonne, les amis. Combien de PO on perd là-dessus? Au moins 10. Au moins 10. Et un château qui ne pop pas. Oh là là là, attention mon petit Dragonstar, mon petit Fire, pardon. Attention. Alors qu'ici on est en train de cominer, hein, on le voit. Une archerie forward également qui a été proposée justement pour aller récupérer le contrôle de cet or. Bah du coup on perd encore beaucoup de villageois. Fire qui va maintenant être en dessous des 100 villageois les amis. Oh là là, la séquence elle est extrêmement bonne pour Dragonstar là sur la dernière minute de jeu. C'est une tonne d'économie hein. Et c'est toujours intéressant de prendre autant de péons sur du late game pour aller justement flinguer l'incom de l'adversaire. Qui architecture côté Fire. Prendre les bâtiments du coup encore plus tanky. Derrière on va proposer quelques écuries forward. Mais attention, Fire ici les amis a l'air d'être assez actif hein. On va pouvoir intercepter ça sans trop de problèmes. Alors c'est reprendre du coup pour Dragonstar. Elle avait l'air de vouloir partir sur une espèce de haras à base de light cap. Pourquoi pas, toujours un petit peu d'action. C'est maintenant peut-être Dragonstar qui va perdre des villageois.
très serré, très 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 serré les amis, hein. Au score en tout cas, il n'y a que très peu de différence. Ouais, la totalité de l'armée de Dragon Star, elle est là. Encore une fois, quelques temps de bombarde ont été proposés. Fire devant score et redépassé à l'instant par Dragon Star, c'est extrêmement serré, ça fait yo-yo. Hein. Ça fait yo-yo, on va essayer d'aller chercher ce château visiblement. Avec ces 40 bombardes qui vont pouvoir pêcher depuis la colline. Footgear d'élite qui a été cliqué. Et ça va faire beaucoup de bien ça à Fire. Si en tout cas une fight venait être réengagée à l'aide de ces footgear. Sur la gauche. On essaie d'arrasser un petit peu justement, mais c'est géré hein, par la Gunstar. Un peu de riprod qui va pouvoir anticiper cette action. L'économie plutôt bien setup. Les fermiers sont vraiment dans le bac. On est safe hein, pour la Gunstar a priori. Pourquoi ça vise jamais les villes qui réparent? Bah parce que c'est plus intéressant de forcer les villes à réparer. On plombe la banque en pierre comme ça, regarde la banque de pierre de Fire qui descend comme neige au soleil, qui fond comme neige au soleil. Là c'est parfait hein, ce qui se passe pour Dragon Star. Hein. Il le répare son château, hein. Au bout d'un moment il ne pourra plus le réparer de toute façon. Donc ça reste très intéressant pour Dragon Star comme séquence. Très 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 intéressant, attention tout de même. Par contre une tonne de tirailleurs hein, pour Fire. Et c'est là peut-être qu'on pourrait se demander si... Onagre pourrait pas être intéressant. Le problème c'est que ça coûte un petit billet, on n'a pas forcément envie de le dépenser. Je pense que 40 bombardes en vrai ça suffit hein, avec la technologie justement unique des Éthiopiens. Ça devrait suffire largement. 40 bombardes plus tirailleurs. Et le château justement, qui pour le moment n'est plus réparé. Attention Fire, parce que mine de rien ce château est très important. Il y a quand même 3 blocs d'or ici, plus 2 autres dans le bac là-bas. On aimerait peut-être le préserver, et on le voit, pour le moment il essaye, hein. Il essaye de le préserver à gauche, attention il se passe aussi des choses. Oh là là, oui même, on perd un forum pour Dragon Star, on va aussi du coup perdre quelques villageois et on relocaliser quelques-uns. 93 villes, c'est maintenant Dragon Star hein, qui passe en dessous des 100 villageois. Alors qu'il avait pendant longtemps en tout cas une avance économique sur son adversaire. On a d'ailleurs que la deuxième hub du bois, hein, côté Fire. On n'a même pas la deuxième hub des fermes également pour le joueur brésilien. On a oublié quelques upgrades économiques, un petit peu regrettable. Derrière les camps de bombardes qui sont de plus en plus nombreux. Attention par contre les footgear, on y revient, mais attention aussi parce qu'on a beaucoup plus d'arbalétriers et maintenant côté Dragon Star. Ce sera peut-être pas la même chanson. Ce sera peut-être pas la même chanson, on le rappelle. Archer éthiopien les amis, ils tirent plus vite, c'est des véritables sulfateuses. C'est incroyable, incroyable. Fire qui a déroulé le tapis rouge, on se croirait à Cannes là. Incroyable les amis. Derrière le château qui va venir à tomber, on récupère le contrôle de l'or à droite. Allez ou pas cette petite blague les gars, j'avoue que je suis pas confiant. Hein. Plutôt intéressant. Aïe 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 aïe. Ouais, et l'or qui va être récupéré par Dragon Star, il faudrait du coup s'y diriger. Hein. Il faudrait du coup s'y diriger pendant qu'il est récupérable. Un petit peu le statu quo maintenant. C'est combien de l'action. Ouais, Fire qui vont continuer visiblement sur le flanc gauche. Hein. Fire qui vont continuer sur le flanc gauche. Y a pas de minerai par contre sur la gauche, hein. C'est important de le noter, si ce n'est cette pierre. En tout cas en termes d'or, c'est très limité. Belle attaque de zone encore, on sait qu'il y a un bombarde, on le voit. Hein. C'est très très fort. C'est très 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 fort. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant pour Fire? Parce que les footgear ça a un coût, hein. Ça coûte de l'or. Hein. Est-ce qu'on va pas devoir peut-être partir sur de la light cave viking? Démunis de plus 3 de défense et de ligne de sang pour peut-être essayer de proposer le même play et essayer d'aller chercher ses canons de bombarde. Ça paraît compliqué. Dragon Star en tout cas repasse devant au score les amis. Par contre attention encore une fois à l'économie de Dragon Star qui mine de rien est lourdement impactée. Maintenant 85 villageois pour Dragon Star face à un Fire qui en a toujours plus de 100. C'est compliqué hein. Il faut peut-être à terme essayer de gérer quand même ce qui se passe à gauche. Parce que j'ai l'impression qu'on avance plus vite à gauche qu'à droite hein. Si on doit être honnête. Surtout qu'à droite finalement l'économie est encore loin. On va pouvoir clean ses archeries. C'est déjà une très bonne chose. On va pouvoir limiter un petit peu cette riprod de tirailleurs. Une véritable fourmilière. Hein. Énormément de tirailleurs hein, qui sont en train de patrouiller. Ils attendent le meilleur timing pour fighter, mais ça va être une fight très difficile à proposer. Très 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 difficile. On a 60 tirailleurs pour Fire. Alors que sur la gauche, il n'y a rien. On n'a rien pour Fire. Il suffirait de monopoliser peut-être 15-20 arbalétriers là pour Dragon Star. On irait chercher ça très rapidement.
et on viendrait stopper un petit peu ce push. Ouais, l'économie de Dragonstar, il faut se la refaire. Il faut se la refaire. Refaire au moins quelques péons. On le voit, il est en train d'en reproposer quelques-uns. Et effectivement, on va aller voir ce qui se passe à gauche. Mettre fin un petit peu à cette mascarade là. Apparemment, on serait 1000 viewers d'après Arkaos. Merci à tous d'être là, les amis. Merci de suivre cette finale en ce dimanche après-midi. Bientôt dimanche soir, même, hein, bientôt 18h. Les canons de bombarde. Les canons de bombarde qui trouvent des très très beaux shoots hein, sur ces tirailleurs. Alors attention quand même parce qu'on s'en fait sniper quelques-uns. Ouah, c'est une véritable hécatombe. Fire l'a compris. L'armée qui pop, qui se fait des pops drastiquement. 37 d'armée maintenant contre 77. 150 de pop contre 170. Ça tourne à l'avantage de Dragonstar hein, sur cette séquence. Le château à gauche qui, pour le coup, est préservé. Séquence excellente. Et on continue de miner de l'or, surtout pour le joueur indien ici. Hein. C'est là surtout toute la différence. Un Fire qui va pouvoir compter que sur ses reliques à présent. 3 reliques en possession de Fire. Dommage peut-être pour Dragonstar de ne pas avoir pensé à en prendre quelques-unes. Ça aurait pu être très intéressant. Fire peut rien faire. Non, Fire peut rien faire. Mais le problème étant ses arbalétriers déjà boostés aux hormones et ses canons bombardent. Hein. C'est ingérable. Hein. Il fait la I-Cav. C'est effectivement sa dernière cartouche. Hein. Soit on arrive à créer un comeback du futur avec quelques light cap qui iraient chercher ses armes de siège. Soit c'est malheureusement terminé. Mais le match-up de toute façon de base est ingérable. Pour la gauche, on trouvera quelques péons. Un Dragonstar qui était remonté à 100. Heureusement pour le coup, ça sera pas forcément un gros problème. Et ce push hein, qui continue de faire rage ici. On arrive à prendre en plus de ça le contrôle de quelques fermes dans un contexte où Fire ici voulait proposer justement quelques light caves. Toujours intéressant du coup. Toujours intéressant. Peut-être qu'il aurait été intéressant pour Dragonstar d'envoyer quelques péons afin de réparer ses canons de bombarde. Pour le coup, coûte très cher, hein. Et encore plus cher contre leur Sophérar. Oh, regardez-moi tous ces bûcherons à gauche aussi qui travaillent. Quel dommage de pas peut-être proposer un petit move là pour Dragonstar. Toujours plus facile à dire qu'à faire, et évidemment. C'est ce qu'il avait fait d'ailleurs contre Kasva, Dragonstar, justement, maintenant le BO qui commence à me rappeler certains trucs. Dragonstar qui avait envoyé beaucoup de Chotel dans les bûcherons de Kasva et trouvé beaucoup de kills économiques grâce à ça notamment. Ça push toujours aussi bien en tout cas hein, pour les bombardes. Bon bure le nain, Rissup pour le 16e mois. Merci à toi, bon bure le nain. Et encore une fois, les Charriers qui sont en train de se faire gérer. Alors que Fire est en train de cliquer le plus de défense. Ah non, pardon, c'est Dragonstar qui clique le plus de défense. Lui aussi va faire light cave. Hein. On le voit. Lui aussi va faire light cave. Il pourrait peut-être même faire Hussard à terme. Hein, si on arrive à trouver l'or manquant. On pourrait vendre un petit peu. Éventuellement un peu d'extra bouffe ou d'extra bois pour le trouver. Et encore une fois, beaucoup d'économies. Hein. Un Fire en plus de ça qui est house, les amis. On a perdu des habitations et des châteaux. Maintenant, on est à 175 de pop hein, pour Fire. C'est compliqué, et je pense qu'on peut le dire, c'est GG. C'est terminé. Il va falloir maintenant que Fire l'accepte. Il va falloir que Fire l'accepte et qu'il va surtout falloir qu'il se reprenne en main pour la game suivante. Parce qu'il n'aura plus le droit à l'erreur, évidemment. La Light Cave qui va commencer à parler un petit peu. Heureusement, on a un château aussi qui va pouvoir faire la différence. Et merci à Paresse. Merci pour le resub. Les tirailleurs se font autant défoncer, ce sont les canons qui font la diff ou les archers qui sont trop forts, les deux, mais surtout les canons qui sont toujours très bien positionnés sur colline, donc bonus colline qui s'applique, mais aussi donc les dégâts de zone grâce à la technologie des éthiopiens et les archers en complément, donc les deux tous accumulés fait que c'est absolument impossible à gérer dans l'économie. Par contre, on arrive à trouver quelques kills également pour Dragonstar. On le voit, cette light cave éthiopienne du coup commence déjà à faire parler d'elle. Sur la gauche pareil, on en parlait, ça y est, c'est terminé les amis. Va falloir que Fire s'en rende compte, mais c'est bel et bien terminé. On le sait. Contre le map, en tout cas, c'est lourdement réorienté à l'avantage de Dragonstar. Sur la minimap, on le voit, il y a beaucoup de bleu. Et Pinto, les gars, qui resub. Let's go, ça, Pinto, les 5 mois. Let's fucking go. Nola pour Pinto, les gars, ça part. Continuer vite fait pour Dragonstar, mais c'est bien sûr maintenant
terminé. Allez mon bon Fire, il va falloir passer à la game suivante. Je sais pas par contre quelle est sa prochaine map. Je crois que c'est Frozen River, hein, mais je suis pas sûr. Ah non, c'est Fish and Fish. C'est Fish and Fish si je ne m'abuse pour Fire. Ça sera du coup la prochaine map a priori. Ouais, une véritable boucherie. Hein. Non, on peut pas malheureusement Delto. Dragon Star sort le tournoi de sa vie, on dirait. Oui, je pense que Dragon Star, pour le coup, il a su saisir sa chance. Hein. Il a vu qu'il y avait quand même un tournoi accessible avec 2 400 $ à gagner pour lui. Pour le premier, en tout cas. Donc, effectivement, il propose un niveau de jeu incroyable. Il se bat comme un forcené. Il a bossé son jeu, bossé ses maps. Ça se ressent, hein. Ça se ressent. C'est vraiment un très très beau tournoi que fait Dragon Star jusqu'ici. C'est presque un sans faute, hein. C'est presque un sans faute. Hein. Comme un dragon. Effectivement, comme un dragon. Viking qui perd. Très beau. Quoi ? En tout cas, bien joué à Dragon Star. Qui mène du coup maintenant 2-1 dans ce BO5. On va aller chercher la game suivante, les amis. Alors qu'ils sont en train de discuter encore une fois des serveurs. Hein. On rappelle le petit problème de ce BO, c'est que les joueurs sont diamétralement opposés. D'un côté, on a un joueur au Brésil, de l'autre, un joueur en Inde. Donc il faut essayer de trouver des serveurs optimaux niveau positionnement, parce que plus le joueur est loin du serveur sur lequel la partie se joue, plus il va avoir une petite latence, ce qui rend pas les choses ultra ultra agréables dans certains cas, notamment pour une éventuelle micro, etc. Merci à toi, Paris Latino del Fuego. Merci pour le resub. Apprécié fortement. Ça me rappelle un peu ce qui se dit. Et apparemment, ils avaient dealé un espèce de truc du style on fait la moitié du BO sur mon serveur et l'autre moitié du BO sur le tien. C'est ce que je suis en train de comprendre là. Donc voilà. Très bien. Tum, 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 tum. Et le point blanc qui remontre le bouton nez. Ah, effectivement, il est là, c'est enculé. Effectivement. Est-ce qu'un jour on aura un event spécial FR ? J'y songe. Ça me ferait plaisir en tout cas d'en reproposer un, puisque le dernier en date c'est le French Rumble. Surtout qu'en plus j'ai un viewer qui m'a fait un super trophée pour un éventuel event. Donc pourquoi pas le faire gagner aussi en plus d'un éventuel prize pool. J'y pense, Hawk. Faut laisser les idées germer tranquillement. Mais j'y pense. Ouais, Watana. Ouais, ça va le faire, t'inquiète. Quand vous dites FR, c'est français ou francophone ? J'ai envie de laisser participer la francophonie. Après, ça dépendra de l'event en question. Parce que je vais pas te mentir que essayer de proposer un event en physique, ça me titille de ouf. Mais du coup, si ça arrive, tu vois, à se faire, je pense pas que un gars du Québec viendrait en France, pour le coup. Pas forcément rentable. On est parti, les amis, hein, la game se lance, Fish and Fish. La Cipro est au courant de la cagnotte ? Ouais. Il est au courant et il a d'ailleurs fait part de ses remerciements. Il vous remercie tous. Il a dit que, je sais plus les mots exacts, mais il a dit qu'en gros, ça lui faisait plaisir de voir qu'il y avait encore des gens bienveillants et tout dans ce monde. Et que bah ça allait l'aider, parce que là, il expliquait en fait que dans sa ville, qui est donc collée à la Russie, elle avait été épargnée. L'armée russe aurait contourné du coup sa ville, tout en malgré tout impactant des structures, des infrastructures et tout. D'où le fait qu'il n'y ait plus internet, etc., etc. Et qu'il y avait genre 90% de la population qui travaillait plus. Donc grosso modo, plus d'argent non plus, tu vois. Donc on peut penser quand même que les 700 balles ici vont carrer un peu. Hein. Bah ouais, clairement, merci à vous. Hein. Encore une fois, effectivement, pour les gestes d'hier. Surtout qu'il y en a qui ont acheté des beaux billets, donc merci encore. Hein. 30 secondes maintenant, ça sera japonais-mongol. Les amis, j'ai une envie de faire pipi, c'est phénoménal. Là, je prends sur moi, mais j'ai une envie de pisser, c'est incroyable.
la souris de jeu qu'on voit. Non, pas du tout. C'est une souris de la marque Zowie. Partenaire LDLC ou pas Zowie, Pinto? Ok, c'est une très bonne souris. Hein. Moi, quand je clique dessus, là, ça très satisfaisant. Pareil pour le clavier, j'aime beaucoup. Donc... aïe, aïe, aïe. La GoToWet, c'est absurde. Bah non, c'est pas absurde. Mec, la game, elle se lance. Je vais pas laisser tourner la game sans rien. Alors qu'elle a un sens. Non, 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 on est pro jusqu'au bout, nous, Pinto. On fait les choses parfaitement. J'irai après. Tant pis. Du coup, Dragon Star, les amis, on le met en rouge. Ah bah là, attendez, c'est Fire qui est... Qu'est-ce qu'ils... Ils ont inversé leur couleur, les Zouaves, là. On est bon. Et merci également à... Merci à... Uli the You pour le Rissable. Et de moi, merci beaucoup. Merci de le garder. Thank you very much. La bouteille sous la table. Let's go, Samaya. Let's go. Tu peux pisser dans ton verre, c'est ok, on voit plus. Oh là là, les gars, vous êtes des rangs, des gros beaufs. Enfin, c'est phénoménal, hein. C'est phénoménal, hein. On est où, là? Est-ce qu'on va avoir un petit lame, du coup, proposé? C'est pas impossible, hein. Regardez le scout de Fire. Il est déjà dans la base de Dragon Star, hein. Il est déjà dans la base de Dragon Star. Et il est mongol. On l'a vu quand... il avait l'aim Sito sur cette même map et avec Mongol justement, ça avait mis Sito énormément dans le mal pour le coup. Alors il essaie peut-être de faire la même chose ici dans Fire pardon, sur Dragon Star, mais pour le moment ça n'aboutit pas. Un Dragon Star qui a justement pris son éléphant très tôt pour le moment. Il en reste un deuxième cela dit. Et les scouts qui vont s'entrechoquer. Avantage du coup à Dragon Star qui mettra ici le premier coup. Rendant du coup toute tentative de lame, en tout cas sur cet éléphant, impossible pour le moment. C'est rigolo ça, Arcaos. C'est très 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 rigolo. Bon, en tout cas, les maps des deux joueurs ont sensiblement la même tête hein, que sur les fish in fish qu'on a pu commenter jusqu'à maintenant. C'est assez similaire, comme à chaque fois. Les vraies questions qu'on doit se poser surtout, c'est est-ce que le Mongol... va partir sur un dock, sur un moulin. Contre Sito, qu'est-ce qu'il avait fait, Fire, je me rappelle plus hier. Je me demande s'il était pas parti sur un... Non, il était parti sur un dock, je me rappelle. Parce que justement, je trouvais ça bizarre que Sito n'ait pas cherché les bateaux de pêche. Donc effectivement, on avait eu un Fire qui avait docké hier. Tiens, typiquement, il est en train de le proposer aussi, son dock, là. Thank you, Agunir. Appreciate it, man. Un dock qui va être proposé du coup par Fire. Jusque là pas de surprise. Dragon Star qui a l'air d'être parti pour faire la même chose. On devrait donc avoir un petit peu d'action sur l'eau visiblement entre les deux joueurs. Bien sûr Fire des deux côtés. Très certainement en tout cas. Mongol qui pour le moment ne pourra pas profiter du coup d'un éléphant supplémentaire. Pourquoi on ne se rabattra pas avec quelques autruches pour... Fire, c'est la question. Alors que Wolf a pris une blague plus que douteuse qui en plus de ça a déjà été faite un milliard de fois, se fait insulter par la plupart des viewers présents dans le chat. Je vais même pas m'opposer à ça, tout ça me paraît cohérent. Il est pire que Thierry. C'est vrai que Wolf, sous certains aspects, on pourrait croire qu'il a des liens de parenté avec Thierry du 56. Hein. Totalement d'accord. Hein. Thierry ? Wolf, il est de ta famille ou pas? Tu peux nous le dire maintenant. Ça expliquerait pour le coup beaucoup de choses. Peut-être le micro au niveau de l'œil, n'est-ce pas? On a docké pour le coup très à gauche pour Dragon Star. C'est qu'un détail, mais on voit rarement ça pour le coup. Alors que Bicoquac, il sub, let's go, ça. Merci beaucoup Bicoquac. Il est devenu quoi Thierry? Thierry, il est maintenant puni. Il a plus le droit de me mentionner, Pimpin. Il sait que s'il me mentionne, il prend un ban d'un mois, donc là, pour le... Bonsoir, merci et bravo à toi et ton équipe pour ce bon tournoi. Merci, Vico. Donc là, effectivement, on a un Thierry qui se tient à carreau, et ça fait plaisir. On va commencer à faire Mariol, je pense, après le tournoi. Et Horten, pour le 23e mois, let's go, petit Horten. Merci beaucoup. La sagesse éternelle, cœur sur tous, c'est sur le
Effectivement, la singerie n'est jamais finie, les amis, c'est maintenant une certitude. On le savait déjà, hein. C'est important de le rappeler. Merci Orten de rappeler du coup le slogan de cette singerie. On se tourne un petit peu d'action sur les bateaux de pêche, mais encore une fois très intelligent de la part de Fire. On a quelques péons qui ont été mis en plus des bateaux de pêche pour justement défendre. Très 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 malin. Une 34 maintenant pour la Gamstar avant de trouver son faudal. Une 07 pour Fire. Légère avance, mais pas tant que ça finalement hein, pour un Mongol. Souvent on l'attend à EP quand même avant une autre cive. Et là pour autant, l'uptime est assez similaire. Derrière une caserne qui va être proposée, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on va partir visiblement sur un playland. Et c'est effectivement le cas. Trois miliciens qui vont être proposés du coup pour le joueur brésilien. C'est ce qu'il avait fait aussi, je crois, contre Cito hein, hier, si je ne m'abuse. Et effectivement, trois man at arms qui pourraient du coup mettre une très très belle pression. Peut-être prendre le contrôle de l'ordre de la Grand Star. Grand Star, on le voit, pour le moment, il est muni de toute caserne. Hein. Certainement car il a la volonté de partir sur un play water. Et effectivement, deuxième dock qui va être proposé pour Dragon Star. C'est très 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 intéressant. C'est très 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 intéressant, on pourrait donc compter que sur des walls pour Dragon Star afin de gérer la pression de ses 3 man-at-arms. J'aime bien le plan de jeu de Fire, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très très fort, encore plus quand l'adversaire est commit sur 2 docks. On peut toujours proposer une tour éventuellement, une tour par exemple dans ce secteur qui protégerait Boyer. Ce serait une très bonne tour en l'occurrence. Et en toute logique, on part sur Archerie juste derrière. Hein. L'idée, c'est de pouvoir apporter un peu de support à ces Man-at-Arms dès que faire se peut. Premier archer déjà qui sortirait de cette archerie serait très très apprécié pour le coup. Et Yanux, le cinquième mois. Merci beaucoup Yanux. Merci à tous pour le soutien et la force et la présence. Toujours un plaisir de profiter de tes streams à haut. Merci, merci. Allez, on y est. On y est et ça peut être la douche froide. Hein. Ça peut être la douche froide parce que, oh, en plus, ça, le timing de la caserne est horrible. On va peut-être devoir l'abandonner, cette caserne. Ouais, Fire qui est très malin, qui attendra le dernier moment. C'est la péone qu'on veut cibler ici. Pas de tour proposé du coup. Dragon Star qui se sont obligés peut-être. Oh, le trap proposé par Dragon Star qui veut visiblement en découdre. Hein. Ça va peut-être lui coûter un péon. C'est même certain maintenant. Le premier kill économique du coup trouvé pour Fire. Est-ce que derrière les Man-at-Arms pourront trouver un deuxième? Presque, presque pour le coup. On y revient. Attention par contre, Dragon Star a pas s'obstiner. La micro des pions qui est plutôt bonne pour le coup. On arrive maintenant à prendre le deuxième Man-at-Arms. C'est ce que le troisième peut être trouvé. Je pense qu'a priori il va être trouvé. Par contre, attention. Ok, c'est bon, c'est une situation de crise qui est gérée. Pendant ce temps-là, en plus de ça, Dragon Star, il est en train de mettre une petite pression sur l'eau assez intéressante. Deux kills économiques qui ont été trouvés. Et ça continue de tomber. Hein. Des bateaux de pêche qui sont trouvés maintenant pour Dragon Star. Qui est du coup devant. Hein. Qui est du coup devant, et pourtant on pensait que c'était Fire qui aurait plus de raison d'inquiéter son adversaire, mais en vrai la séquence elle est excellente pour Dragon Star. Hein. Excellente. Belle défense du Man-at-Arms en limitant. Je pense qu'on perd le minimum en vrai pour Dragon Star. Il n'y a pas un monde je pense où on peut. Parce que le truc c'est qu'on veut quand même popper cette caserne et garder le contrôle de l'or. Donc pour cette raison je pense qu'on force la fight. Et avec une bonne micro qui permet de limiter du coup les dégâts. Et derrière en plus de ça, bah Fire qui n'arrive pas. À suivre la fight sur l'eau. C'est excellent. Pour cette raison, on le voit, on va décider maintenant de s'orienter au milieu pour Fire. On a perdu du coup les bateaux de pêche. Et il nous faut bien sûr un income en nourriture. Pour cette raison, on va aller chercher le milieu. On peut pas en fait proposer une transition ferme, c'est pas possible. Donc là, le meilleur move à faire en tout cas pour ne pas avoir trop de production, c'est tout simplement de partir sur le milieu. Mais attention tout de même parce que ce milieu est très vulnérable. Il serait peut-être intéressant même de pré-shot une tour. Le problème, c'est que si on fait une tour au milieu, derrière, on n'a plus de tour sur l'or. Derrière, une archerie a également été proposée hein, pour le joueur japonais. Il viendra par contre s'empaler sous le forum, Fire. Hein. Attention, Fire, il s'agirait de faire très attention, c'est une balle de match. Hein. Si Dragon Star gagne cette game, les amis, c'est un accès direct, en finale. Hein. Donc ici on n'a plus le droit à l'erreur pour Fire, il faut enchaîner les deux games suivantes. Derrière Fast Wall proposé par Dragon Star, les quelques archers qui vont mettre un petit peu de pression, des pions de HP qu'on pourrait peut-être trouver pour Fire, malheureusement non, ça cafouille un petit peu, on y revient quand même. Hein. On y revient mais on y repart très rapidement. On est très hésitant j'ai l'impression pour Fire ici.
Pirlo, ça continue hein, de proposer une très très belle pression pour Dragonstar, qui va bientôt pouvoir trouver un énième kill économique. C'est très bien joué, c'est très 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 bien joué. 4 kills économiques contre 2 maintenant. 35 villageois contre 30. 5 villageois d'écart du coup maintenant en faveur de Dragonstar. Ça joue extrêmement bien. Ça joue extrêmement bien les amis. Hein. Et soyons honnêtes, je pense qu'au début du World Rumble, c'est pas forcément sur Dragonstar qu'on aurait misé. Hein. C'est pas forcément sur Dragonstar qu'on aurait misé. C'est incroyable la révélation de Dragonstar sur ce tournoi. Allez, on va masser un petit peu d'unités d'archerie. On va patrouiller un petit peu en défense. Elo qui a l'air gagné. Hein. Elo qui a l'air bien gagné même maintenant. Rockafly qui dit ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Évidemment. Évidemment. Mais ça n'empêche que pour le moment, les faits sont bel et bien là. 39 villes contre 32. Un Dragon Star qui est extrêmement bien. Est-ce qu'on peut commencer peut-être à se projeter sur une éventuelle banque qui permettrait de cliquer château? Je ne sais pas. Pour le moment, on va continuer de produire un petit peu, j'ai l'impression. On va rajouter aussi quelques bateaux de pêche. Bateaux de pêche japonais, rappelons-le. Hein. Ça travaille plus vite. Ça travaille plus vite. On arrivera à feinter, j'ai l'impression, à l'adversaire là pour Fire. Peut-être que du coup, sur un petit timing, on pourrait retourner dans cette économie. Le problème, c'est que c'est wallé. Il y a un petit péon HP éventuellement qu'on pourrait trouver là-bas. On a give up low, c'est maintenant certain pour Fire. La tour sera donc proposée sur l'or pour le joueur brésilien, laissant ses villageois sur les poissons très 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 vulnérables. Mais il se dit peut-être qu'avec les bâtiments de Riprod juste à côté, ça suffira à défendre ce spot. Espérons pour Fire qu'il a raison. On trouvera un nouveau kill économique, d'ailleurs j'ai l'impression, pour Dragonstar, qui vient de passer maintenant à 5. Les archers aussi qui sont en train de se faire sniper. Dragonstar qui pourrait toujours éventuellement proposer une tour, hein, s'il pense que c'est nécessaire, puisqu'effectivement on le voit pour le moment, l'or ici, très 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 vulnérable, et on va retrouver un péon, je pense, pour Fire ici. Ce péon qui malheureusement aura dû donner sa vie pour éviter que ses scouts ici rentrent dans l'économie. Ah, il faut proposer une tour, je pense, à moins que ses archers peuvent tout simplement suffire. De défense cliqué maintenant pour Fire, qui a l'air de vouloir partir sur un full feudal. En tout cas, j'ai l'impression, puisqu'il a quand même proposé une écurie, transition scout, maintenant plus un de défense sur ses archers et ses tirailleurs. On continue d'investir donc beaucoup. Et on a toujours pas envie de la proposer cette tour hein, pour Dragonstar. C'est à la fois quand même très curieux parce que ça lui coûterait pas grand chose finalement. Si ce n'est donc le prix de la tour, mais derrière, c'est quand même le prix de la tranquillité et derrière, peut-être aussi le prix d'une contre-attaque, justement. On serait plus obligé de défendre avec les unités d'archerie comme il est en train de le faire ici. 10 villageois d'avance quasiment quand même. Hein. Pour Dragonstar, les bateaux de pêche qui commencent à faire la différence. On est maintenant sur 3 docks d'ailleurs pour optimiser justement cette récolte. Toujours pas de tour. On refuse de proposer la tour pour Dragonstar. Alors que la banque commence à se dessiner chez les deux joueurs. Beaucoup de péons la nourriture aussi côté Fire. Ouais, énormément, énormément de pêcheurs. Hein. Ça pourrait faire tellement mal hein, si Dragonstar allait voir ce qui se passait là-bas. Malheureusement pour le moment on est contraint de défendre avec une belle micro. Attention tout de même, hein, la composition de Fire sur le papier elle est quand même meilleure. Hein. Scout archer c'est meilleur que tirailleur archer évidemment. Et pour autant attention, il y a le forum maintenant qui vient aider Dragonstar à défendre. On arrivera à prendre deux tirailleurs sur cette petite fight. Un petit lancer qui a été rajouté. Lancer japonais qui plus est. On connaît ses lanciers pour être très bon, notamment en tapant plus vite. On perdra quelques scouts pour Fire qui a totalement give up la micro. Fire qui donne toutes ses unités militaires. 17 d'armée maintenant contre 6. Mais que fait Fire? Que fait Fire? À quoi était-il occupé, les amis? Pourquoi on s'est littéralement pas allé sur la main Dragonstar? La contre-attaque va être violente. Hein. La contre-attaque va être violente. Est-ce qu'on peut s'acheter une tour peut-être maintenant pour Fire? Je pense que c'est trop tard. Il va falloir serrer les fesses pour le joueur brésilien. Et on va perdre quelques péons. On va devoir fighter même avec afin de peut-être repousser Dragonstar, ça ne suffira peut-être même pas. Dans tous les cas, il va y avoir des pertes, que ce soit sur le militaire ou sur l'économie. Séquence très douloureuse hein, à observer. 54 villageois contre 39, 18 d'armée contre 10. Les amis, on a peut-être notre premier finaliste. On va peut-être du coup forcer aussi pour Fire, étant donné que cette game est très importante. On le rappelle, les deux joueurs qui sont actuellement assurés de 500$. Aller en finale, c'est s'assurer de 1300$, je crois, si je ne m'abuse. Le gap est quand même assez important. Hein. Le gap est quand même assez important. Ouais,
39 villes contre 56. Hein. C'est violent. L'âge des châteaux qui est cliqué. Les amis, dans 2 minutes 35, on pourrait peut-être coller GG pour Fire. Deux archeries supplémentaires qui vont être ajoutées pour Fire. Pensant peut-être que ça pourrait l'aider à repartir de plus belle. Malheureusement, c'est très compliqué. On va venir récupérer un petit peu de colline pour Dragonstar qui continue de prélever péon après péon. Fire qui maintenant est à 38 villageois contre un Dragonstar qui en est bientôt à 60. Les scouts, peut-être vont aider avec ces villageois, mais dans tous les cas, le mal est fait. Les scouts qui en plus de sa vont se faire hit and run salement. C'est archi terminé, on n'a pas de grade de défense. Fire qui va se faire du coup battre 3 à 1 par Dragonstar. Joueur indien qui commence tout juste à faire parler de lui. Hein. C'est bien la première fois qu'on le voit dans la finale d'un tournoi. Avec autant d'enjeux. Et bien joué du coup à ceux qui auront gagné leur pari, hein, évidemment. Même si la game n'est pas encore GG officiellement. Évidemment qu'elle l'est. Et GG à ceux qui avaient parié du coup sur Dragonstar. Et qui se voient peut-être encore en course pour le pronostic de la finale. Plus un de défense qui est cliqué côté Dragonstar sur la cavalerie. Je rappelle, il est japonais. Effectivement, beaucoup de tirailleurs côté Fire. Pour cette raison, donc, cavalerie va être le call ici. Ça colle au passage château, très certainement. Regarde l'économie de Fire. 76 de nourriture en banque. Crossbow qui est cliqué. Fire kill call. GG. GG, GL next round. Très fair play qui plus est. 3 à 1, les amis, pour le bon Dragonstar hein, qui ne l'a pas volé son BO. On va vite faire les statistiques. Une petite ola même pour le joueur indien, les amis. Félicitations. Hein. Félicitations. Incroyable, les amis. C'est incroyable. Je suis extrêmement content pour Dragonstar. Déçu pour Fire aussi, indirectement. Mais très content. Parce que, pour moi, il mérite. Par rapport à son travail effectué en phase de groupe, à son travail effectué en main event, il n'y a pas un monde où il ne mérite pas d'aller en finale, en fait. Archi mérité. Archi mérité. Et bravo du coup à tous ceux qui ont gagné des bananes. Mérité aussi indirectement. Et effectivement, un Dragonstar qui a décidé de grinder Age of Empires 2 à la sortie de Age of Empires 4. Il s'est pas fait avoir justement par l'appât des vues et l'appât de potentiel gain. Il s'est dit j'ai peut-être un coup à jouer en restant sur le 2. Et bah écoutez, peut-être. En tout cas, ça parle bien. Dragonstar sera donc notre prochain finaliste, notre premier finaliste, et le prochain, ça sera soit Project Belgium, soit Miguel, les amis. L'un ou l'autre. Évidemment, de mon côté, je supporte Project Belgium, quelqu'un qu'on aime beaucoup, un ami de la famille. J'ai lâché un postillon, encore une fois, la terre a tremblé, les amis, phénoménal. Ce qui va se passer, du coup, puisque la deuxième demi-finale, elle a été jouée en même temps que la première, en fait. Donc on a les records. Normalement, ça devrait être fini, je ne sais pas. Auquel cas, de toute façon, ils donnent les records une par une. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va se faire une petite pause de 2-3 minutes. Je vous reviens. Et puis on est parti, n'est-ce pas? A tout à l'heure, tout de suite. Bisous.